Justin Tsama, alias Eko. Connecte-toi. Un gars de Mbalmayo. Bipez-moi Mbalmayo. Les habitants de Mbalmayo, il s'appelle Eko. Justin Tsama, un gars qui travaillait à Vision 4. Ça, c'est son direct. Je vais raconter son histoire. Justin Tsama, Eko, connecte-toi. Bipez-moi sa famille, s'il vous plaît. Bipez sa famille. Sa famille doit entendre ce qu'il vit. Sa famille doit comprendre qui il est. Sa famille doit savoir qui est Eko. Justin Tsama, ta famille doit savoir qui tu es réellement. Oui. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Justin Tsama, Eko. Un voleur en col blanc. Je vais parler de la première victime. Partagez le direct. Quelqu'un dit quoi? Parce que moi, si je vois un mauvais commentaire, dites à la fille qui partage l'argent partout là que qu'elle vient, je la fabrique où? Tiens, la croqueuse de plantain là, qu'elle vient, je la fabrique. La croqueuse de plantain là, pardon, dites-lui qu'elle vient seulement, je la fabrique. La croqueuse de plantain. Merci pour les 200 étoiles, mes cœurs. Merci pour les gens qui me donnent les étoiles. Oui, chérie, la police avait vu, il y avait 3. Bipez-moi Mbalmayo, s'il vous plaît. Mbalmayo. Dès que les gens de Mbalmayo sont là, Justin Tsama, Eko, Justin Tsama, un gars qui a travaillé à Vision 4, il a fui. Je vais vous raconter son histoire. Aujourd'hui, la première partie. Justin Tsama, c'est son nom. Un Camerounais qui parle seulement des milliards. Dès qu'il y a le nombre, je parle de lui, Justin Tsama, qui opère. Son terrain fétiche, c'est Facebook. Les groupes WhatsApp, c'est là-bas qu'il récupère ses victimes. Il ment sur son âge aussi. Il ment sur son âge, il ne donne jamais son vrai âge. Justin Tsama, Eko, c'est son nom. Je vais mettre quelques vidéos, vous entendez un peu comment, quelques vidéos que j'ai reçues, parce que je suis entrée en contact avec lui. Il a donné le faux rendez-vous et il m'a bloqué. Justin Tsama. J'étais contactée pour ce problème. Tu as aussi menti jusqu'à tu m'as bloqué. Tu as fait ça à qui? Justin Tsama, tu as fait ça à qui? Tu as beaucoup de victimes. Voilà. Mes chers frères et sœurs, Justin Tsama, c'est un gars intelligent. Le seul, presque seul intelligent d'une famille. Le seul sur qui sa famille comptait que voilà celui qui va nous relever. Ses parents ont souffert, l'ont envoyé à l'école. Ils ont souffert, souffert, souffert. Cultiver le cacao. L'envoyer à l'école que, ouais, l'enfant, si demain, il peut nous aider. Mes chers frères et sœurs, il a choisi le mauvais chemin, qui est l'escroquerie, arnaque, tromper les femmes, blesser le cœur des femmes, traumatiser, manipulateur. C'est ce qu'il est. À ce jour, il a des milliers de victimes. Donc ce direct, c'est pour sensibiliser les femmes.
Parce que vous tombez toujours dans le piège du Ndolo. Vous tombez dans le piège de l'amour. Et c'est comme ça qu'on vous prend le cerveau. Justine, sa maman mange l'écorce d'abord. Il met le médicament dans sa bouche. Il mâche. Il cherche ses victimes sur Facebook. Il tourne dans les groupes WhatsApp. Il est inscrit partout. Il a des milliers de profils. Son travail, c'est ça. Alors, ce jeune Camerounais, au nom de Justine Sama, alias Eko, il va déposer un dossier, son CV à Vision 4. Il dépose son CV Vision 4. Il prend, il entre là-bas. On trouve que bon, ça va. On l'envoie en... comment on appelle là? En Centrafrique. République centrafricaine. Non, c'est pas Centrafrique, c'est en Guinée. En Guinée. Oui, je pense que c'est en Guinée. Si quelqu'un se souvient, si quelqu'un peut me mettre l'endroit, je crois que c'est en Guinée, non? En Guinée ou bien en Centrafrique. Moi, je pense que c'est en Guinée. En Guinée. Attendez, je vais taper Google. C'est en Guinée. Il arrive en Guinée où il travaille pour Vision 4. Il ne fait pas quelques mois là-bas. C'était en Centrafrique. Merci, chérie. En Centrafrique. Merci beaucoup. Tanti Kiki, merci infiniment. Tu es de Mbalmayo et tu le connais très bien. Tu sais que l'histoire que je raconte là, ce n'est pas le mensonge. Tu le connais très bien. Donc, je raconte l'histoire de Justine Sama. Il travaille chez Vision 4. Le Zonlo lui fait confiance, l'envoie en Centrafrique. Il arrive en Centrafrique, il est présentateur Vision 4 de Centrafrique. Maintenant, il entre en contact avec les mercenaires. C'est comme ça qu'il fait le coup. Il escroque 56 millions. Il tombe dans les Sisongo. Il escroque avec le nom de Vision 4, du Zonlo. Il part escroquer 56 bâtons. En Centrafrique, il fuit au Cameroun. Il fait le coup avec un de ses amis. Il tombe dans ce songo, il fuit au Cameroun. On le cherche. Les Centrafricains commencent à le chercher. Ils atterrissent à Yaoundé. Quand on le cherche, ils vont voir le Zonlo. Le Zonlo dit que moi aussi, ici, il m'a frappé. Je ne connais pas où il est. Entre-temps, le gars, il prend maintenant le Boza. Il sort du Cameroun par le Nord Cameroun. Il sort par le nord. Il commence à Boza à pied. Il raconte que les 56 millions qu'ils ont fait le coup que son ami a escroqué sa part. Ça veut dire qu'il est gaufré. Au lieu d'aller travailler à la télé comme on l'a envoyé, il va escroquer là-bas qu'il vend les diamants. Il commence à dire comment il fait le business des diamants. Il escroque l'argent de la République centrafricaine. Il tombe dans les Sisongo. Le voilà parti. Il prend le nom Cameroun. Il commence le Boza. Le voilà parti. Il part. Entre-temps, Justine Sama alias Eko annonce à sa famille qu'il est en Bain. Il part jusqu'à où sa route s'arrête. C'est la Tunisie. Il s'arrête en Tunisie dans un trou où il vit jusqu'à aujourd'hui. Quand il arrive comme ça en Tunisie, il fait quoi? Il part, quand il a l'occasion, il va se filmer là où il y a l'Inkassa. Il tourne le dos. Il envoie les photos au pays pour dire qu'il est déjà arrivé en Bain. Au début, il commence à faire quoi à sa famille qu'il est en Italie? C'est moi qui annonce ce soir, Roha, qu'il est en route de Bain. Il n'est pas encore arrivé. Que Justine Sama est en Tunisie. Dans la ville de Source. C'est là-bas qu'il est couché. Où il escroque les gens. À Source. Et je vais montrer ces photos. Mes chers et sœurs, les Camerounais qui sont à Source en Tunisie, si vous voyez ce gars, je vous montre ces photos. Si vous le voyez, ce gars, parce que parler, il faut montrer aussi les photos et j'assume. Ce n'est pas que Fleur de Lille s'est montée, s'est descendue. Parce que je vais raconter l'histoire, vous allez comprendre. Les photos là sont où? C'est un gars qui fait le filtrata. Il n'est pas clair.
Je vais vous raconter son histoire. Il a escroqué l'argent de Tamazout. De Tamazout. Oui. Je ne montre pas. Le voici. Tu vois un bandit. Le voici, hein? Le voici. Voilà ses photos. Justin Tsama Eko. Le voici ici. Il s'asseyait devant Vision 4 comme ça. Il mettait la veste. Il fait l'homme qui est sérieux. Le voilà. Si vous le voyez, mes chers frères Camerounais, il met dans le Jansan. Si vous le voyez, appelez-moi et appelez la police. Si vous voyez ce gars, appelez seulement que la police. Le voici. Si vous le voyez, contactez-moi. Appelez la police. Signez sur lui sur place. Le voilà. C'est lui. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer ce qu'il a aujourd'hui. Le voilà avant, hein. Le voilà encore. C'est toujours lui ici, là. C'est lui ici. Si vous le voyez dans un ganda, le voici aujourd'hui, c'est le filtrata. Hein? Si vous voyez ce gars, le voilà, Justin Tsama. Echo, un bandit de grand chemin. Le voilà. Regardez bien. Les Camerounais de source, de Tunisie. Si vous voyez ce gars, ne faites pas de bruit. Si vous le voyez, ne faites pas de bruit. Appelez-moi directement qu'il est ici. Je prends mon billet, je viens. Je prends le billet d'avion, j'arrive là-bas, on l'arrête. Le voici. Le cacham sur lui, le cacham sur ce gars. Le voilà, filtrata. Le voilà, filtrata. Filtrata. Le voilà, c'est le filtrata. Le voici, hein. Le voici, hein. C'est Justin Tsama. Le voilà, hein. Je vous montre. Il a fait ça dû à ma copine. Hé, Justin Tsama, tu n'as pas honte. Quand il a fait ça dû, le voici couché ici. Bébé, le voici. Le voici ici, hein. Quand il fait le filtre, vous savez, même le lit, regarde le jansang de ça. Justin Tsama, tu as les boutons. Ça dit que le jansang de ça, tu as loué seulement l'hôtel pour faire ça. Tu te couches, tu fais comme tu es chez toi, alors que tu es dans un trou, le voici. Les gens, le voilà. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Toutes les femmes. Alerte, alerte. Le cacham est lancé. Le cacham. Le voilà. Hein? Le cacham est lancé. Le cacham. Si vous le voyez, ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Regardez, ne faites pas de bruit. Ne faites pas de bruit. Si vous voyez ce gars, pas de bruit. Le voici quand il veut arnaquer. Regardez. Regardez. Il a même envoyé, voilà tout. Il a envoyé aussi ça. Pour, regardez, il a envoyé la photo de ça. Il manque sa soeur si elle est décédée. Hein, pour escroquer, voilà ça. Il a menti qu'elle est décédée. Si vous voyez, vous connaissez cette femme-ci. Dites que, hein, si vous voyez cette maman-ci, la maman-ci, dites à ses enfants qu'il y a quelqu'un qui l'utilise. Qui a annoncé qu'elle est morte. Justin Tsama a annoncé la mort de cette maman-ci. Voici ce qu'il a envoyé. Si vous le voyez, voilà le programme des obsèques. Programme des obsèques. Tuer sa soeur jusqu'à sortir le programme des obsèques. Mes chers frères et sœurs, il a sorti le programme des obsèques sur la merci. Tout ça pour arnaquer. Il a sorti le programme des obsèques. Regardez un peu. Un vrai gars fait la bouche comme ça, mes gens. Justin Tsama. Bandit. Le voilà. Là, c'est quand il a déjà fait quoi, hein? Mes gens. Attendez. Le voici. Le voici. Le voilà, oh. Le voilà, un gigolo en col blanc. Le voici. Un gigolo en col blanc. Si vous le voyez, mes chers frères Camerounais, de source, en Tunisie, si vous voyez ce gars, si vous le voyez, n'hésitez pas. Regardez bien. N'hésitez pas à contacter toute police.
n'hésitez pas à contacter la police la plus proche. Si vous avez la fausse signée, si quelqu'un le connaît, là où il est, il va sauf que rembourser. Il va sauf que rembourser. Toi, tu dis qu'il est beau. Il a quoi faire en dehors de s'asseoir ou en dehors de Njansan. Le voici, hein. Tu sens que ce n'est pas Mbeng. C'est lui ici. Les gens. Le voilà. Justin Tama. Te voilà. Echo. Même le derrière, on sent que c'est chez l'Inkassa. Voilà Echo, hein. Il n'est pas en Europe, hein. Il met le gel sur la tête jusqu'à il manque son ses cheveux. Ouloulouloulou, Justin Tama. Il n'a du shame. Les gens, je vous ai montré celui qu'on recherche. Les femmes le recherchent. Ici. Mes chefs et sœurs, Justin Tama alias Echo, il prend la route, il arrive en Tunisie, il cale là-bas. Il entre sur Internet, il commence à draguer. Il drague, il tombe sur la première victime. La première victime m'a autorisé de raconter son histoire et lui dit de ne plus utiliser ses photos pour aller draguer parce que c'est une femme qui s'est retournée vers Dieu. Tamezout, à Toulouse. Il tombe sur sa première victime, Tamezout, à Toulouse. Il commence à lui parler sur Internet, sur Facebook. Il entre en contact avec elle sur Facebook. Il commence à la composer tous les jours. Bébé, j'ai les voices. Bonjour bébé. Un gigolo a quoi faire? Il n'a rien fait. Il ne peut que passer sa journée à chanter l'amour aux oreilles de la femme. Quand il se lève le matin, bonjour bébé, tu as bien dormi mon petit cœur, mon ange. Tu as bien dormi mon ange. Quand la femme entend aussi son cœur, dit que yeah. Donc, à l'heure où je suis là, un gars peut aussi m'appeler bébé chaque seconde. Le gars te chante l'amour que bébé, tu as bien dormi mon petit cœur. L'amour de ma vie, ça va mon ange? Tu as dormi amour? Ça va amour? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Maman, toi, tu demandes que? Maman, un gars demande ça. Quand il commence à te prendre dans l'amour comme ça, il prend peut-être quelques jours, il te prend dans l'amour. Matin, midi, soir, bonsoir bébé. Ça va mon petit cœur? Il copie aussi les messages d'amour de Facebook, de Google. Il copie aussi Google. Le message Google d'amour, là, il envoie. Il moronto ses victimes. Il te lave le cerveau. Il te lave le cerveau. Après, il commence à raconter. Bon, je raconte directement l'histoire de Tamezout. Quand il rentre en contact avec Tamezout, il commence à lui chanter l'amour. Parce qu'il y a aussi ma copine qui l'a fait. Mais je commence pour Tamezout, pour que vous compreniez. Il entre en contact avec Tamezout. Et puis, il commence à lui chanter l'amour. Bonjour mon petit cœur. Bonjour amour. Tu as bien dormi mon ange. Ça va? T'es pas trop fatigué? Le gars a menti qu'il était ici en Mbeng. Quand il entre en contact, il manque, il vit ici en Mbeng. Il commence à dire, oui, j'ai acheté la maison. J'ai fait venir ma femme d'Afrique, j'ai acheté la maison. Et puis, elle a vendu, elle a fui en Espagne avec un autre homme. Donc, il te raconte une histoire, comment il est un homme bien qui s'occupe d'une femme. Il commence à lui raconter les choses comme ça. Après, au bout de 5 jours, il commence à dire, bébé, j'ai envie de t'épouser. Je veux que tu ailles voir mes parents, machin. Il faut qu'on aille en Afrique et tout et tout. C'est comme ça qu'il commence à mentir à Tamezout. Il lui promet la femme de Trouy. Il lui dit que, oh bébé, je veux qu'on aille au pays, machin, tout ça. Il faut qu'on aille au pays, mais on va se retrouver. Il ne s'était jamais vu. C'était toujours derrière Facebook. Il racontait comment il est trop occupé. Il travaille beaucoup. Il est journaliste à TV5 Monde. Il est encore avec les correspondants. Il raconte une histoire. Et c'est un gars qui est doux. Il parle doucement. Un jour, c'est comme ça qu'il dit à Tamezout que oui, s'il te plaît, je veux qu'on se retrouve au pays là et tout directement au pays. Tamezout lui dit que, comment tu es ici en Mbeng?
Et tu dis qu'on se retrouve au pays. Voyons-nous d'abord ici avant d'aller au pays. Il dit que non, bébé, j'ai trop de travail à faire. Comment est-ce que tu... J'ai beaucoup de travail, on se retrouve directement là-bas et tout et tout. Il dit que bébé, ne te dérange pas, je te prends le billet d'avion première classe. Ne te dérange pas, mon ange. Je te prends le billet d'avion première classe. Ouais, la mère de Tri aussi écoute comme ça. Elle dit que, yeah, ma, allez. C'est tout moi qui donne aux hommes. Donc moi, je peux rencontrer un homme jusqu'à il me parle, qu'il va me donner. Seigneur, celui-ci vient d'où? Je n'ai pas cette chance-là que les hommes me donnent. C'est toujours moi qui donne aux hommes. C'est comme ça qu'un jour, il commence à mentir à la mère Tamezout que on se retrouve au pays. C'est comme ça que la mère Tamezout a dit que je t'envoie le billet d'avion première classe, mon ange. Ne te dérange pas, mon cœur. Ne te dérange pas, mon bébé. Bébé. Maman, quand il dit bébé, la douceur de ça. Mes chers frères et sœurs, entre-temps, la mère Tamezout, Tamezout. Parce que la mère Tamezout a dit que ne prononce plus son nom pour escroquer les femmes. Je t'aime ta main. Que ne prononce plus ton nom. C'est une dame qui a prié pour toi, qui t'a aidé. Je raconte son histoire. Mes chers frères et sœurs, il promet le billet d'avion à la mère Tamezout. Et tout, première classe. Parce qu'il dit que non, mon cœur, ma femme ne peut pas voyager dans le Shabbat. Je veux que tu voyages en première, machin, tout ça là. La mère dit que envoie le billet alors. C'est comme ça que le gars, il dit que non, fais tes valises, mon cœur. Fais tes valises, amour. Voilà la mère qui fait ses valises. Le soir, elle a dit au revoir à ses copines et tout et tout. Elle attend, elle dort, elle ne sommeille, elle ne vient pas. Le billet d'avion où? Jusqu'à le matin arrive, elle appelle le gars ne répond plus. Le gars tombé dans les susongos. Après, le gars réapparaît 3 jours plus tard. Oui, mon cœur, tu sais que j'ai beaucoup d'affaires, tu sais que je voyage beaucoup et tout et tout. Mes chers frères et sœurs, parce que la mère Tamezout, c'est une personne qui prie beaucoup, qui fait vraiment la prière. Un jour comme ça, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui parle que quelqu'un en train de courir, Dieu lui parle. Elle voit quelqu'un qui court. Elle dit que merde, qui court? Qui court comme ça? C'était le gars-ci dans le bosa. C'est comme ça que elle se lève, le gars revient encore à charge. Oui, mon amour, vraiment, tu sais que je suis à Poitiers, c'est monté, c'est descendu. La mère Tamezout lui dit que dis-moi la vérité. Je veux bien être en couple avec toi. Mais dis-moi la vérité. Dis-moi qui tu es. Dis-moi pourquoi tu donnes tous les faux rendez-vous. Pourquoi tu donnes tous les faux rendez-vous? Tu n'honores pas. Pourquoi tu donnes les faux? Que dis-moi la vérité. Vous connaissez les gigolos, non? Le gars dit, est-ce que tu es sûr que tu vas m'écouter? J'ai peur de te perdre. Je n'ai pas envie de te perdre. La mère lui dit que, dis-moi, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il dit qu'il va raconter l'histoire. Il prend maintenant l'histoire de Zonglo, comment on le recherche au pays, l'affaire de Zonglo. Puisqu'il est même sorti dans les journaux en Centrafrique. Hein. Maintenant, il raconte l'histoire. Il dit que, vraiment, je suis en Tunisie. La mère lui dit que, c'est bien comme tu m'as dit la vérité, où tu es? Tu es en Tunisie. Est-ce comme ça qu'il commence à dire qu'il a faim? Houssain Tama commence à pleurer. La famine. Comment il a faim? Il commence à avouer la vérité un peu. Il dit comment il a faim. Que vraiment, même la connexion, qui n'est pas souvent en ligne parce que il passe au collet là où il y a l'internet pour voler le Wi-Fi, que c'est dû, machin, tout ça, la mère lui dit qu'elle. Après, il commence encore à tourner son cerveau, bébé. Il raconte encore l'amour, comment il aime, comment et tout et tout. Après, c'est comme ça que la mère dit, ok, je vais te voir là-bas en Tunisie. Et c'est comme ça que la mère dit que bon, pour venir là en Tunisie, quand la mère lui dit que ok, je vais te voir en Tunisie,
Il sort jusqu'à ce que ses mains touchent. Oui, bravo mon amour. Je savais que Dieu allait m'envoyer une femme dans ma vie. Merci, le Dieu t'a envoyé dans ma vie. Merci, mon cœur. Il commence à tourner le cerveau de la mère. C'est comme ça que la tata... C'est comme ça que ta mezout... Lui envoie l'argent, 900 euros. Elle va là où il commence déjà à voler. Elle lui envoie 900 euros de réserver l'hôtel. Puisqu'il dit qu'il n'a pas de maison. Elle lui envoie 900 euros que réserve-moi l'hôtel et tout et tout. C'est comme ça que le gars prend l'argent d'abord. Ou bien il a fait quoi? Il a monté un arabe qui a raconté une histoire à la mère. Raconté. Après, parce que comme c'est un gars qui marche avec les écorces. Et que quand tu sais que tu allais trouver le bon gars, non, ma, n'est-ce pas? Même si c'est comment, tu signes seulement sur l'amour. Les gens, envoyez-moi les étoiles, merci. Voilà alors que, n'est-ce pas là en Tunisie, il faut avoir le visa, si tu es étranger, si tu n'es pas européen. Voilà, même qui tombe dehors, elle commence à chercher le visa. Jusqu'à ce qu'elle obtienne son visa, elle dit au gars que j'ai derrière le visa. Entre temps, il a bouffé derrière le premier agent qu'on avait donné pour l'hôtel. Même comme ça, elle laisse. Elle arrive à l'aéroport. Le jour qu'elle atterrit, la valise que Justin Samatoune avait dans les photos qu'il part à Mengla, c'est la valise de la mère quand elle est arrivée. Le trolley là, sur le trolley de la mère là, il a pris, il a fait les photos avec. Ce n'est jamais son trolley. Donc, quand la maté arrive maintenant à l'aéroport, elle voit un gars qui s'approche vers lui avec les boutons partout, partout. Donc, elle le regarde comme ça, elle dit que merde. C'est mon gars là ici, c'est comme ça que son cœur se refroidit. Et dit que, donc c'est le gars-ci. Hé, hey, maman, les choses, oh, le filtrata, oh, le filtrata, tu veux faire comment? Je suis déjà là, je vais faire comment le filtrata? Le gars avait les boutons comme ça, les gros, gros boutons avec les jus dedans. C'est comme ça qu'il s'approche vers la mère, il dit que, chez bébé, maman, ce n'est que la voix qui a fait que la mère a reconnu. Mais sinon, le visage même, elle n'a pas reconnu. À l'aéroport, à Tunis, à Sousse. Quand le gars dit bébé, elle voit un gars noir, elle croit que c'est les porteurs, les gens là, les rabâcheurs dans les aéroports là. Le gars s'appelle bébé, c'est moi, Echo. C'est moi, Echo. Un maigrichon que la famille l'avait déjà touché. Quoi? Que la famille l'avait déjà touché jusqu'à... Il avait déjà faim. Il est tout comme ça. C'est comme ça que la mère aussi, il prend le trolley, bébé. J'ai dit que la mère le regarde. Il était comme le poussin. Il était comme le poussin. Ça veut dire qu'il était comme le chat qu'on a versé l'eau. Un genre là comme ça. Il était comme le chat. Tu sais quand le chat vient voler, tu verses l'eau. Il était là comme ça que bébé il parlait. La mère le regardait seulement que maman, nous les femmes. C'est comme ça qu'ils avaient pris l'appartement et tout là-bas à l'hôtel. Elle arrive à l'hôtel et dit que maman, c'est moi qui vais dormir avec le gars-ci. Et c'est comme ça que le gars, quand il fait le filtrata, il montre souvent ses muscles, non? Vous savez, les gars qui font le filtrata, ils se montrent comment il a la salle de bain. Tout ça, c'était pas sa salle de bain, hein. C'est quand il prend l'hôtel, qu'il frappe une femme, il part à l'hôtel, il fait les filtres, il fait les aplacali, il montre sa poitrine, comment il est aplacali. Quand la mère regarde ses mains, elle voit seulement que où sont même les aplacas? Où sont même les aplacas? Où sont les aplacas du gars si? Donc la mère arrive, elle est là à l'hôtel. Maman, elle voit le gars seulement comme ça, elle qui lui donne même la lotion qu'elle prend ma lotion, tu mets un peu. Elle dit que ouais, même c'est comme ça, comme c'est mon gars, je vais le laver et nettoyer, normal. Que c'est moi, je vais prendre maintenant le gars et je vais le formater. Elle dit que c'est pas grave. Je l'ai trouvé qu'il est comme ça. Je vais seulement le laver propre. Je le mets à côté de moi, non? Parce que tu peux ramasser ton gars, tu le laves. C'est comme ça qu'elle prend la lotion. Elle dit que prends, essuie ton visage. Il a un peu mis sur ses boutons, ça a commencé à sécher. Ça a commencé à sécher pendant 3 jours son visage. Comme il mangeait au restaurant. Comme il mangeait maintenant au restaurant. Son visage a commencé à venir, à sortir. Son sourire, l'éclat. Comme vous voyez, comme il est là maintenant, là, que Nchansan, là.
C'est comme ça qu'il a commencé à mettre le jansan. Il a même volé le lait de la matière. Il a coupé le lait. Le toilette, ça qu'il a commencé à moindre sur son corps pour ressembler à quelque chose. Justin, ça m'a volé. Donc, le voilà. La mère dit aussi que, ouais, c'est comment le gars, si. Je vais faire comment? Je vais l'aider. Elle lui dit clair que toi et moi, non, on ne peut pas. Mais je vais t'aider. C'est comme ça qu'il veut maintenant Boza. Voilà, premier escroc. Quelqu'un veut t'aider. Justin, ça m'a tué un escroc. Et tu seras avalé. C'est comme ça qu'il amène là où, il amène la mère maintenant, là où il y a le réseau du Boza. Il commence à monter le Boza à partir de 500 euros jusqu'à 2800 euros. La mère dit que ouais, mon gars ne peut pas voyager aussi dans le petit Boza où tu peux tomber facilement dans l'eau. C'est comme ça qu'elle a payé le Boza de 2800 euros pour qu'il traverse pour venir ici en Bain. Elle lui a remis les dos. Mes chers et sœurs, elle a remis les dos, elle est rentrée ici en Bain pour que le gars prenne le réseau pour voyager. Dès qu'elle traverse pour venir en Bain, après elle est allée au pays puisque le gars a présenté ses familles. Elle est malheureuse qu'elle a vu la famille du gars et tout. La famille du gars est même venue chez lui, chez la maman là, ils ont yom parce qu'elle a d'abord le château à Yaoundé. Ils sont venus, le grand frère de Justin Tsama est parti là-bas. Il a yom. Il a yom. Oui. Elle est partie au Cameroun parce qu'elle avait un séminaire. Elle revient maintenant. Le gars maintenant lui dit qu'il voyage demain pour l'Italie. Jusqu'aujourd'hui, il a pris l'argent. Il est tombé dans le Sissongo. Il a escroqué 5000 euros là-bas. Il a éteint son portable, tombé dans le Sissongo. Changé. 5000 euros, il a mangé. Elle a dit que tu ne prononces plus jamais ça. C'est où il a fait la photo qu'il balade à toutes les femmes pour draguer que Tamezout. Pour, parce que quand il veut draguer, il envoie sa photo avec Tamezout. C'est la seule photo que, comme on sait que Tamezout vit en Bain. On ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que tout le monde sait seulement qu'il est en Bain. Il envoie cette photo-là qui confirme qu'il est en Bain. Ce n'est que la seule photo. Dis-lui d'envoyer autre chose. Le dehors de Bain, il ne connaît pas. Justin Tsama est un bandit. C'est un voleur. Mes chers et sœurs, il y a une autre victime encore. Cette victime, il l'a rencontrée dans un groupe WhatsApp. Elle était aussi au Cameroun, voir sa famille. Et c'est un gars qui parle que des milliards. Quand il te parle d'argent, hein, ouais, tu sais seulement que j'ai trouvé l'homme qui va changer ma vie. La deuxième victime, parce que vous parlez de la troisième victime qui est ma quota, que c'est ma pote. C'est ma pote. Je vais vous raconter l'histoire. Et Justin Tsama, tu as l'habitude d'escroquer les gens. Mais le tout sinon, où tu es, j'ai déjà mis l'alerte, alerte sur toi. Quand on te voit où tu es, n'importe où, on signale. Hein? Mais gens, les gens qui le connaissent, voilà Kiki Tati Kiki le connaît très bien. C'est un gars de son quartier, ils ont grandi ensemble. Même à Tati Kiki, il a menti qu'il a embêté jusqu'à dire qu'il va venir demander l'asile politique. Il a menti jusqu'à inviter. Elle a fait ses bagages jusqu'à là à la gare. Le gars mentait alors qu'il est en Tunisie. Tu fais ça à une personne avec qui vous avez grandi dans le même quartier. Justin Tsama lui a donné rendez-vous que j'ai déjà acheté la maison en Bain. Tu peux venir. Tanti Kiki a pris jusqu'à là à la gare, puisque Tanti Kiki habite vers Lille. Elle est partie à la gare alors. Il avait donné rendez-vous. J'ai les voices. Il avait donné les rendez-vous jeudi. Comment? C'est où? Tanti Kiki même ne savait pas qu'il est en Tunisie. C'est moi. C'est moi qui dis qu'il est en Tunisie. Tanti Kiki, fais-moi un coucou là. Je vais aller sur un voice là où il avait fait. Attends, il t'avait envoyé un voice là. Il avait envoyé un voice là. Voilà. Maman, il parle comme s'il est en Bénin. T'inquiète même pas. C'est pas un problème. Écoute. C'est pour gérer. Donc, il ment à Tanti. Il vient mentir à Tanti Kiki. Regardez, il dit à sa soeur hein, du quartier que oui, j'ai déjà la maison à Toulouse, je peux t'accueillir. Elle prend le bus. Elle va à la gare. Elle prend le train. Elle arrive là-bas, elle appelle, il a bloqué. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en Bain. Tu es obligé. Hein?
Ok. Donc, de toute façon, donc, on finalise, on parle, on voit demain, non? Comme ça, comme tu viens jeudi, je vois aussi mon programme et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Et jeudi, vers quelle à peu près? Quelle heure? Ah, tu m'as dit que jeudi, ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, puis. Il n'est pas en mec. Après, le culte, bien sûr. D'accord, de toute façon, on en parle dans demain et puis voilà, je t'enverrai l'adresse, il n'y a pas de souci. Je t'enverrai l'adresse. S'il y a de monter ici, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Tu es la bienvenue. Tu feras comme chez toi, il n'y a pas de souci. Regardez-vous, moi qui manque. Les gens, c'est le. Regardez, hein. Attendez, je mets un peu d'écouter. Jusqu'à il donne, je suis au rendez-vous. Prends le train. Tu viens ici quand? Tu viens, tu montes ici quand? Ce week-end ou en semaine, je sais pas. Maman, j'ai un projet. Attendez un peu, regardez. Vous êtes à m'associer. Maman, ça se dit qu'il manquait. Attendez, écoutez. Hein. Il dit qu'il donne rendez-vous. Elle a pris le train, elle a eu là-bas. Le gars n'a pu décocher. Donc, il est en Tunisie. Il donne rendez-vous. Regardez. Seigneur. Tu viens ici quand? Tu viens, tu montes ici quand? Ce week-end ou en semaine? Je ne sais pas. Écoutez. Je n'ai pas appelé seul. Écoutez. Ok. Donc, de toute façon, donc, on finalise, on parle, on voit demain, non? Comme ça, comme tu viens jeudi, je vois aussi mon programme et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Et jeudi, vers quelle à peu près? Donc, tu m'as dit que jeudi, ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, puis c'est dimanche que après le culte, bien sûr. D'accord, de toute façon, on en parle dans demain et puis voilà, je t'enverrai l'adresse, il n'y a pas de souci. S'il y a de monter ici, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Yay. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Je suis chez toi, il n'y a pas de souci. Ça, ce n'est pas une personne qui l'a escroqué, c'est une de ses soeurs qui l'a donné rendez-vous. Que... Je suis déçue parce que j'ai même acheté la maison en Beng. Viens, je t'héberge chez moi. Elle devait partir faire un séminaire d'église. Il a donné rendez-vous ce qu'elle... Non, gars. Non, 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 non. T'inquiète même pas. Ça, c'est pas un problème. C'est pour gérer ça. C'est la famille, non? C'est bien la famille. Je ne peux pas service comme celui-là. C'est pas un souci. Voilà. Donc, oui, ça fera vraiment plaisir qu'on essaie de mieux parler, non? De vivre, voir et puis de voir ce qu'il y a de lui faire. Il n'y a pas de souci en tout cas. Demain, on parle. Voilà. Il n'y a pas de souci. Fais-moi signe et voilà. C'est un peu ça. Hé! Hey! Non! Fais-moi signe. C'est un peu ça. Donc, en fait, vous voyez comment il peut mentir? Gars! Comment tu peux être en Afrique, tu dois rendez-vous à quelqu'un en Europe parce que la personne go à la gare prendre le ticket de train? Hein? Non, ça c'est juste un truc que je ne comprends pas. Tanti Kiki, oui, il s'agit du cousin de Tanti Kiki, c'est ton cousin. Mais tu vois comment il peut te mentir jusqu'à te faire prendre le train pour Toulouse alors qu'il sait qu'il n'est même pas en Ben. Pourquoi? Dans quel intérêt? Pourquoi? Tu es malade. Mais je vais vous faire écouter les voix d'amour qu'il a laissées à ma copine. Vous allez tomber sans glisser. Un menteur jusqu'à demain, après-demain. On était où là? On était sur l'autre victime que il y a une autre victime qu'il a connue dans le groupe WhatsApp des gens de Mbalmayo. Il a connu dans le groupe WhatsApp des gens de Mbalmayo. Il est aussi allé vers elle, lui mentir, lui dit d'ouvrir les comptes bancaires parce qu'il y a le milliard. Il va recevoir 2 milliards, mais il ne sait pas comment il va dispatcher cet argent. Elle se voyait déjà aussi riche. Et il dit que... Il appelle ses victimes comme Madame Tsama.
Quand il ne te connaît pas encore, il dit que Madame Tsama. Donc au début, là, il t'appelait dans Madame Tsama. Il a connu celle-là dans le groupe des gens de Balmayo. C'est comme ça que ça a commencé le Love Inbox. Il a aussi Moronto, Moronto. Jusqu'à ce que la deuxième victime s'est déplacée, allée au Cameroun. Oui. Elle a pris le billet d'avion, elle est allée au Cameroun. Elle a ouvert les comptes bancaires là-bas. Elle croyait au gars. Parce que quand le gars part, tu crois en lui. Elle a ouvert les comptes bancaires là-bas et tout et tout. Ouvert les comptes bancaires. Demandez-moi aux gens de sa famille, pardon, aidez-moi à ouvrir les comptes bancaires parce qu'il y a 2 milliards qui vont arriver. Je ne sais pas comment on va faire. Et entre-temps, Justin Tsama est marié. Il est marié officiellement. C'est là-bas au Cameroun que la victime qui vit ici en France, la deuxième victime qui a voyagé, il y a une autre victime aux États-Unis qu'elle veut poster. Comme ça, elle va découvrir. Là, il a fui, il éteint tous ses téléphones. Il est dans les Sussongo. Alors, vous voyez là, il a éteint ses téléphones. Il est dans les Sussongo. Il n'est plus à connecter depuis. C'est sûr qu'il a, il va racheter même les puces des États-Unis pour mettre le WhatsApp, pour qu'on lui fasse WhatsApp. Donc, il va maintenant opérer comme s'il était aux États-Unis. La deuxième victime s'est déplacée aussi. Elle est allée au Cameroun. Elle a même ouvert les comptes bancaires. Il a envoyé ceci, mes chers frères et sœurs, qu'il est en train de construire un centre. Écoutez, il dit qu'il a les partenaires. Il est en train de construire un centre de journalisme. Des journalistes. Oui, attendez, je vais vous montrer. Tanti Kiki, attends, je vais dans ton truc. Je vais montrer un peu. Il a envoyé les photos, comment il est en train de faire le centre de journalistes au Cameroun. Il envoie les ordinateurs comme ça, vous voyez, non? Donc, il a les trucs comme ça dans son téléphone. Il dit qu'il a acheté 300 ordinateurs, c'est au port. C'est ça ici. Il envoie les photos de Tamezout pour draguer. Et il envoie leur conversation. Voilà ça, il envoie ceci. Voilà ce qu'il envoie. Il dit que ce sont ces choses qui sont au port pour ouvrir l'école de journalistes au Cameroun. Il envoie même les factures. Il a les factures comme ça des ordinateurs qu'il envoie, 300 ordinateurs. Voilà le plan qu'il envoie pour l'école qu'il va de journaliste. Il dit qu'il va inaugurer en juin. Voilà ça. Donc pour draguer les femmes, il envoie ceci. Il dit que c'est pour lui. Voilà ça. Voilà ce qu'il envoie. Il envoie ceci comme ça. Il dit que c'est pour lui. Le voici. Voici même un truc qu'il a envoyé. Comment il est en construction. Regardez. Il ne se filme pas. Hein. Regardez. Où c'est le chantier du zon là. Voilà ce qu'il a envoyé. Il envoie comme ça l'évolution. Il dit que oui, c'est en chantier. Voilà ça. Il escroque les gens avec ça. Voilà ça. Il dit aussi qu'il a les pressings. Il dit aussi qu'il a les pressings au Cameroun. Il envoie aussi ceci. Il envoie ceci. Il dit que c'est la personne qui va reconnaître la maison sur Facebook. Justin, ça m'a dit que c'est sa maison ici. Voici ça. Il dit que c'est sa maison qu'il a conçue, qu'il a deux comme ça au Cameroun. Voilà les photos, hein. La personne qui a la maison aussi, voici ça. Justin, ça m'a dit que c'est chez lui, hein. Il drague les femmes, il met ça. Il dit que voilà sa chambre où il dort au Cameroun. Je ne sais pas c'est la maison de quelle femme qu'il a pris. Voilà ça. Il dit que c'est chez lui, hein. Oui. Il dit qu'il montre le chantier ici. Il dit que voilà comment ça avait commencé. Voilà ce qu'il envoie. Voilà ce qu'il envoie. Il montre comme ça. Il dit que voilà la fondation quand on commençait. Voilà ça. Il a toutes ses photos ici. Il envoie ça. Il montre, non? Voilà ça. Ça, c'est un truc de... C'est pour Zomlo. C'est sûr que ce n'est même pas au Cameroun. Il manque, c'est pour lui qu'il est en train de faire au Cameroun. Il a tout, même les vidéos. Voilà même l'autre. Regardez. Il montre comme ça, il dit que c'est le chantier quand ça avait commencé. Voilà ça. Où c'est le chantier de qui gérait, oh? Où c'est le chantier de qui l'a téléchargé? Comme les gens postent leur maison. Oui. Quand il voit une femme. Il n'a que plus ou moins quelques centimètres près. Oui, quelques centimètres près. Je ne sais pas, c'est pour qui? C'est le chantier de qui que Justin Tsama prend pour envoyer aux femmes. Voilà ça, oh. C'est le chantier de qui? Que la personne vient reconnaître. Voilà, il envoie comme ça, il dit que c'est pour lui.
Oui, quelques centimètres près. Oui. Il dit que voilà le chantier là, je ne sais pas c'est pour qui. Il envoie comme ça, il dit que c'est pour lui. Voilà même l'autre, il envoie comment il est maître d'œuvre. C'est lui là, le Ngrengalais là, quand il était au pays. Le voilà, il dit comment il est sur le main d'œuvre. C'est la maison de qui ici? Un homme drague avec ça. Un bandit de grand chemin, Justin Tama. Voilà la maison de quelqu'un qui met. Hein? On ne sait pas à qui appartient cette maison. Justin Tama dit que c'est sa deuxième maison ou qu'il appartient parce qu'il a deux. Donc, mes chers frères et sœurs, il m'a envoyé le cercueil. Que c'est le cercueil de sa sœur qui va acheter à 500 000. Voilà le cercueil. Comment, oui, la famille lui demande, il va organiser le deuil là, c'est 5 millions. Oui, voilà le cercueil qu'il a envoyé. Oh. Voilà le cercueil. Il dit que c'est sa sœur. Voilà ça. Il a envoyé ça pour dire que oui, sa sœur est morte, c'est le cercueil. Il a envoyé ça à ma copine. Il a dit que choisis le cercueil. Choisis le cercueil. Est-ce qu'il veut le tisser? Voilà ça. C'est qu'il a envoyé. Il a aussi envoyé les voitures. Il a dit à ma copine que quand tu vas arriver au Cameroun, bébé, choisis la voiture. La maison là est à Odja, c'est la mienne, non. Ah bon? Il a envoyé les voitures ici là. Il dit que ce sont ses voitures. Il a dit que, bébé, quand tu es au Cameroun, tu vas conduire avec. Il a envoyé ça, il envoie aussi une Mercedes. Voilà les voitures que Justin Tama envoie, que c'est pour lui. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître, c'est la voiture de qui? Voilà ça. Il dit qu'il a envoyé comme ça 5 voitures. Il a aussi envoyé une Mercedes. Il a aussi dit que ça, c'est pour lui. Oui. Oui, il envoie aussi le cercueil que sa soeur est morte. Il envoie aussi les Mercedes ici. Il dit que c'est son frère qui sèche ça au soleil. ML. Même pour prononcer le nom, il n'arrivait pas. ML. Quelqu'un qui n'aimait pas prononcer Mercedes, ML. Il ne connaissait pas prononcer le nom. Comme vous envoyez, il a envoyé même la vidéo que sa soeur ci est morte. Voilà ça. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il a envoyé que la dame s'est décédée. Que c'est sa grande soeur. Les cercueils là, c'est pour ça. Il dit que c'est la dernière vidéo que sa soeur lui a envoyée avant de mourir. Il envoie ça à tout le monde. Qui connaît la maman aussi? Il dit qu'elle vit à Odja. Non. Pas à Odja, il y a un quartier là, ma soeur habite même là-bas. Justin Tama Mebi. Mes chers frères et sœurs, on va passer au voice. Donc, comme je vous disais, il y a déjà deux femmes qui se sont déplacées pour aller au Cameroun. Ils ne l'ont pas. Une l'a vue en Tunisie. Il y a la deuxième là qui ne l'a jamais vue. Une autre là. Où elle a vu, où elle n'a pas vu. Mais elle avait l'air un peu. Elle ne voulait pas trop raconter son histoire. Elle ne voulait pas trop. Mais elle était au Cameroun, ils sont restés amis. Elle était au Cameroun voir sa famille, c'est où elle a même découvert qu'il est même marié, tout ce qui va avec. Il a dit comment il est milliardaire. Mes chers frères et sœurs, je vous mets les voices. Donc, il rencontre alors ma copine. Il rencontre ma copine comment? Il rencontre ma copine, il l'a jamais vue. C'est une personne qui lui met en contact avec ma Kota comme ça, ma pote, ma du Kota qu'on est souvent ensemble. Et je t'aime, tu n'as pas de cœur. Tu n'es qu'un menteur patenté. Ma copine m'a transmis tous les voices. Il rencontre ma copine via une dame. Ça veut dire que c'est une dame qui présente ma copine à lui. Présenté, met en contact à distance, hein.
Une dame qui l'avait draguée, la dame l'a refusé. La dame a dit que ouais, je suis une vieille chouette. Je vais te présenter une jeune. Mais seulement quand la dame présente à ma copine, la dame ne fait pas savoir à ma copine qu'ils ne se sont jamais vus. Qu'ils ne se sont jamais vus. Les gens, pardon, je vais boire un peu d'eau. Hein. Les amours, quand vous dites que je ne bois pas d'eau là, je vais boire un peu d'eau. Les gens qui connaissent, je traîne, ça m'a préparé, vous pour appeler. Je sais qu'elle doit boire dans le verre, mais désolée. Parfois, j'ai envie de boire la bouteille. Pardon. Ouh. Donc. Le problème, c'est que quoi, mes chers frères et sœurs? C'est qu'il drague une dame à Paris. Je ne sais pas comment il a rencontré la dame, mais ce qui est sûr, que c'est toujours derrière les réseaux sociaux. Il drague la dame, il dit comment il est sérieux, il est à Toulouse, il aimerait une fille sérieuse et tout et tout. La dame connaît aussi ma copine. Et c'est comme ça que la dame présente donc ma copine, quoi. Il reste en contact avec ma copine. Coucou. Est-ce que tu aurais le numéro 2? D'accord, ma chérie, ça marche, je te l'envoie tout de suite. Attendez, c'est ma belle-fille qui m'a demandé un numéro de téléphone de Tata Rose. D'accord, je te l'envoie. On va faire le baptême de Poupouyou. Ma petite fille va se baptiser là. On va faire son baptême. Nous sommes des chrétiens, nous sommes catholiques. Elle doit être baptisée. En passant. Donc, maman, voilà le Justin Tsamaque, il entre en contact avec ma copine. Il commence à promettre le mariage. Il appelle ma copine tout le temps, Madame Tsama. Ils sont en contact. Il fait rêver ma copine. Jusqu'à ma copine, maintenant, dit que le beau des beaux. Flore, je veux le numéro. Ton numéro. Donc, ma copine, alors, je commence à appeler seulement ma copine. Que, parce que ma copine me fait même, je parle avec le gars. Ma copine me fait, je parle avec le gars. Jusqu'à je salue le gars, oh le beau des beaux, c'est comment le beau des beaux que c'est entre les filles. Je l'appelle encore le beau des beaux. La fête, c'est que vous voyez. Je l'appelle encore le beau des beaux. Hey, c'est comme ça que je dis à ma copine que Marco, tu vas bientôt te marier et tout et tout. Ma copine et moi, on t'appelle, on dit que maman, le gars là-haut, un bon gars. Je tape tout le divers avec ma copine. Il a donné donc rendez-vous à ma copine qu'ils vont se voir. Les gens. Il a donné rendez-vous à ma copine qu'ils vont se voir. Il n'est jamais venu jusqu'au lycée. Oh, ma copine a découvert que c'était un menteur. Oui. Mes chers frères et sœurs, ma copine était déjà dedans. Parce que c'est un gars qui parle avec les écorces. Ma copine avait appris le gars à mettre dans son cœur. Jusqu'à elle s'appelait Madame Tsama. Les projets de ça. J'ai dit à ma copine que, Marco, toi tu fais les projets avec un gars que tu n'as jamais vu comment. Tu fais les projets jusqu'à ce que tu t'appelles Madame Tsama comment. Je vous mets les voices. Vous le cherchez n'importe où vous me contactez. Vous avez compris? J'ai dit que n'importe où que vous voyez ce gars, vous me contactez. Maman. Un menteur en col blanc. Je vous mets les voix qu'il a envoyé à ma copine. Pour endormir l'esprit, ma copine m'a transféré. Je sais que ça m'a tué en train de regarder le direct. Sache que tu vas écoper très mal. Tu as compris, non? Tu vas écoper. Tu seras dénoncé tous les jours. Attends. Je passe sur le profil de ma copine juste. Attendez, je vous mets les voices. Hein. Elle m'a envoyé. Ah! Ouh, loulou, loulou, maman, oh!
Les menteurs en col blanc. Il faut voir comment ils commencent à laisser les messages à ma copine. Bonsoir, ma chamane. Hé, tu as vu? Bonsoir, ma chamane. Attendez. Ma princesse, comment tu vas? La journée est dit, j'ose croire, dans l'ensemble. Écoutez, maman. Voilà le message que... Je vois le message. Voilà le message, le premier message qu'il envoie à ma copine. Bonsoir la charmante princesse, comment tu vas? La journée a été, j'ose croire, dans l'ensemble. De mon côté, plus ou moins. J'espère aussi de ton côté déjà. Effectivement, j'ai eu ton nom. J'ai vu ton numéro, écoutez. Hein. Attendez, j'écoute d'abord parce que moi-même, je n'ai jamais écouté. Au travers de... Je t'aime bien, je t'apprécie énormément et je souhaite faire ma vie avec toi. Et entre autres, je souhaitais là, si possible, qu'on puisse se rencontrer. Pourquoi pas Hey, hey, vous voyez un peu quand il vient draguer ma copine. Quand il vient draguer ma copine, écoutez. Hein, écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien le tout premier message. Bonsoir la charmante princesse, comment tu vas? La journée a été, j'ose croire, dans l'ensemble. De mon côté, plus ou moins. J'espère aussi de ton côté déjà. Effectivement, j'ai eu ton numéro au travers de Mama Binetou, celle qui m'a passé ton contact. Et puis voilà, parce que je t'aime bien, je t'apprécie énormément et je souhaite faire ma vie avec toi. Et entre-temps, je souhaiterais, si possible, qu'on puisse se rencontrer, pourquoi pas, autour d'un pot. Autour d'un pot, alors qu'il n'est pas bien. Hein. Voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ficeler les choses, pourquoi pas, vraiment. Donc voilà, entre autres, ce que j'avais envie, parce que je t'ai appelé là, certainement, t'es pas en ligne, t'es pas disponible, certainement. Tu dois en être occupé pour le moment. Donc voilà, une fois que t'es disponible, fais-moi signe et on pourra échanger, pourquoi pas. Moi, le premier message qu'il envoie à ma copine, j'aimerais qu'on se voit autour d'un pot. Alors qu'il sait que il est en Afrique, il n'est pas en Bénin. Voilà le tout premier message. Mais Jean, voilà un gigolo en col blanc. Il boitise, hein? Écoutez, le tout premier message, il dit que c'est Mama Binetou de Paris. Parce que, vous voyez un peu, ce qui a donné le don. Écoutez, écoutez, hein? Écoutez bien. Écoutez le tout premier message. Merci. Écoutez le tout premier. Bonsoir, la charmante princesse, comment tu vas? La journée a été, j'ose croire, dans l'ensemble. De mon côté, plus ou moins. J'espère aussi de ton côté déjà. Effectivement, j'ai eu ton numéro au travers de Mama Binetou. C'est elle qui m'a passé ton contact et puis voilà, parce que je t'aime bien, je t'apprécie énormément et je souhaite faire ma vie avec toi. Et entre-temps, je souhaiterais, si possible, qu'on puisse se rencontrer, pourquoi pas, autour d'un pot, question d'échanger et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ficeler les choses, pourquoi pas, vraiment. Donc voilà, entre autres, ce que j'avais envie, parce que je t'ai appelé là, certainement, t'es pas en ligne, t'es pas disponible, certainement. Tu dois en être occupé pour le moment. Donc voilà, une fois que t'es disponible, fais-moi signe et on pourra échanger, pourquoi pas. Merci. Moi, le tout premier message qu'il envoie pour dire qu'ils peuvent échanger, ça veut dire qu'il fait quoi donc qu'il vit ici en Europe? Voilà ce qui fait quoi ma copine. Il commence à envoyer des messages. Il prendra certainement le temps. Bonjour, bonjour chérie, comment tu vas? Deuxième jour. Deuxième jour, hein? Il ne connaît même pas. Bon, le deuxième jour. Je te réponds après parce que il fallait courir avec le boulot le matin et arriver d'abord
bureau et tout, bon, c'était pas évident, quoi. Donc, je viens de m'asseoir un peu. Voilà, essayer d'essayer un peu si je pouvais te joindre là. Bon, sauf que c'était pas certainement en lit. Écoutez bien son message, c'est le deuxième jour. Il dit qu'il vient d'arriver. Puisqu'il a menti qu'il est journaliste à TV5 Monde Afrique, représentant d'Afrique de TV5. Ça, c'est le deuxième jour, hein, le deuxième message. Hein. Il dit que, oui, il commence à dire, donc il, en fait, il fait croire qu'il a trop de dossiers sur la table du bureau, qu'il travaille trop. Écoutez. Bonjour, bonjour, chérie, comment tu vas? Ben, désolé, hein. Ben, si je te réponds après, parce que il fallait courir avec le boulot le matin et arriver d'abord au bureau et tout, bon, c'était pas évident, quoi. Donc, je viens de m'asseoir un peu, voilà, essayer lancer un peu si je pouvais te joindre là. Bon, sauf que c'était pas certainement en lit. L'état de la matière, j'espère que. Parce que ma copine lui avait dit que. J'ai ma copine que sa mère est malade. Vous comprenez, non? Donc, il a commencé à faire comme s'il est trop intéressé. Il a commencé à faire genre, il est trop intéressé et tout, quoi. Oui. Voilà. Il a commencé à faire genre, il est trop intéressé. Non, je t'aime, Saman. Tu n'es qu'un sombre menteur. Un mytho. Hein? Mais de ma copine croyant en lui, jusqu'à ma copine même a dit que sa mère, puisque ma copine appelle ma mère sa mère, hein? Jusqu'à, il demande les nouvelles. Écoutons. Il y a une amélioration. Qu'est-ce qu'elle a, la mère? C'est grave, j'espère, que c'est pas aussi grave que ça. Oh là là, je suis désolé, hein, je suis désolé pour ça en fait. Vraiment, je souhaite un prompt rétablissement à la maman. Et j'espère qu'elle ira plus mieux en fait. J'espère que ça, c'est pas grave que ça va aller en fait. D'accord, de toute façon, je suis là. J'ai écouté ton voice, ça me rassure, ça me revigore. Et puis voilà, je me dis, ça me revigore. On aura certainement le temps de mieux échanger. On aura bien le temps d'échanger pour le moment. J'ose croire que tu es sous le choc avec la situation de la mère. Je ne voudrais pas trop aller vite en besogne. Besogne, il apprend les mots sur Facebook. Gusten Sama, toi non, on va te retrouver. C'est moi de le faire parce que c'est moi qui vais vers, qui doit y aller vers la personne. Et puis voilà, j'apprécie la personne. C'est à moi de faire le premier pas. Ça, je veux bien le faire. Mais vu la situation aussi avec le cas de la mère, je me dis qu'il ne faudrait pas peut-être trop bousculer les choses. Mais je suis dispo. Quand tu peux, fais-moi juste un message et puis voilà, je lance la paix. Justin Tama, il n'avait jamais parlé avec Mako. Donc, il parlait d'abord échange voice. Blessé de guerre. Justin Tama, tu as l'habitude, non, de blesser les cœurs des femmes. Vous comprenez? Jusqu'à tu oses ouatiser même. Il faut écouter ses voix, maman. Et on se dit à plus. Attends, sur ce, je vais donc te souhaiter de passer une excellente journée. Mmh. Beaucoup de courage pour le cas de la maman. Hein? Il disait comme ça, bon, comme ma copine avec moi, la mère, c'est sa mère. J'espère que ça ira mieux, sois forte, et puis voilà. Tiens-moi informé. De toute façon, tel que les choses se passent, ne manque pas de me faire signe aussi pour que je sache. Et puis voilà, on voit ce qu'on a à faire et on se dit à plus tard. D'accord. Justin Tama, tu sais que je cache l'écran. Justin Tama, copine ne témoigne pas. Je parle pour elle. Je parle pour elle. Tu as compris? Que wow. Je mets. Désolé, chérie. C'est maintenant que j'arrive parce que j'ai terminé le deuxième boulot un peu. Il manque même qu'il a deux boulots. À ma copine. Je sais ça, ma.
Tu ne travailles pas, tu vis dans les fins fonds de source. Tu dis que le deuxième boulot a fait quoi? Hein? Ma faut ne mange jamais. Ma faut ne mange jamais. Justin Tama. Justin Tama. Écoutons. Ma copine m'a transféré. Désolé, chérie. C'est maintenant que j'arrive parce que j'ai terminé le deuxième boulot un peu la tard. La voix de donc, ça. Voilà. Donc, ce qui fait que je venais de terminer, j'arrive à peine. Voilà, je viens même de garer comme ça là. Il vient même de garer. Le gars manque, il a la voiture qu'on appelle comment là? Il manque, il a une poche. Ou comment il a la poche? Il vient de garer, écoutez. Comme il vient de garer, écoutez. Désolé, chérie. C'est maintenant que j'arrive parce que j'ai terminé le deuxième boulot un peu tard. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que je venais de terminer, j'arrive à peine. Voilà, je viens même de garer comme ça là. Pour le clan, il tape. De toute façon, je suis désolé, peut-être. Il tape les clés. Comme je t'ai trouvé un peu occupé toute la journée. Bon, oui. J'espère quand même que tu vas bien. Je t'envoie une petite vidéo quand même quand je. Voilà, d'ici quelques minutes. C'est les vidéos qu'il envoie à beaucoup de femmes, hein. Quoi? D'accord. Justin, ça m'a même baptisé, tu forces. Tu n'es jamais en bain. Tu forces le baptisé. Eh ben, il tape les clés. Il vient même de garer comme ça. Me saoule. Il manque, il travaille à TVC Monde. Il n'y a aucun... Je dis que, hein? Et la situation de la maman, c'est... Arrête de parler que là, c'est ta mère. Les gens. Après, il a envoyé la vidéo à ma copine. Attends un peu. Un menteur, hein. Il a envoyé. Justin Tama. Il a envoyé l'autre comment il est au bureau. Mais les gens, il a envoyé même les ordinateurs. Justin Tama a envoyé les ordinateurs. Comment il est au boulot en train de tout travailler. Justin Tama a envoyé les ordinateurs. Voilà ça. Comment il est au travail? Il a trop travaillé. Il est trop fatigué. Justin Tama. On continue. Là, chérie, j'ai une ligne comme bon, moi, je suis journaliste en fait. Ce qui fait que j'utilise beaucoup plus ce WhatsApp par rapport à des débats et puis bon. Dans tout ça, il n'était pas encore ma copine et lui, donc il se présentait encore. Il manque au début d'une relation. Là, chérie, j'ai une ligne comme bon, moi, je suis journaliste en fait. Ce qui fait que j'utilise beaucoup plus ce WhatsApp par rapport à des débats et puis bon, c'est resté un peu comme ça. J'ai une ligne directe, voilà, j'utilise le téléphone beaucoup plus à la maison. Non, ce qui fait comme c'est un fixe. Donc, je vais te le passer. C'est pour ça que je disais qu'on va beaucoup plus causer après, mais j'ai constaté quand même un tout petit peu que tu n'es pas presque joignable déjà. Je sais pas. Tu parce que ma copine n'est pas quelqu'un qui est trop... Je me suis dit que c'est plus pratique avec WhatsApp parce qu'on peut s'appeler, appel vidéo et puis voilà. J'étais un peu beaucoup plus dans ce sens-là. J'ai une ligne directe, voilà. C'est un peu privé parce que, bon, j'appelle plus, voilà, mais tu veux pas me joindre, donc c'est un peu comme ça. Bon, je vais t'expliquer un peu, voilà, je n'aime pas trop parler de moi, mais voilà, je vais t'expliquer. Donc, si c'est le fixe, je pourrais t'envoyer, mais on peut causer beaucoup plus quand je suis à la maison. Voilà, et là, je suis au boulot, du coup, c'est pas évident, en fait, on peut juste causer par WhatsApp, parce que là, je suis au travail et puis voilà. Il est au travail. C'est plus relax parce que je communique beaucoup avec les correspondants par WhatsApp. Donc, ce qui fait que du coup, avec les appels directs là et autres là, c'est beaucoup plus quand moi je veux joindre une personne au pays ou bien voilà. Donc, c'est un peu ça. Justin Tama, ça c'est le 40e jour même là. Il a envoyé ça. Mais Jean. Si vous écoutez tous ces mensonges, tous les mensonges de ce menteur en col blanc, il ment les femmes sur l'amour. Oui. C'est pour ça qu'on va sauf que le dénoncer, sauf que, oh, mes chers et sœurs, je sens que je cherche un truc. Maman,
Il faut voir comment il envoie les trucs. Attends, j'écoute. Oui, je viens de terminer le boulot là. Là, je suis en train de vouloir prendre la route là. Voilà. Donc, je vais arriver à la maison tout à l'heure et je te ferai signe, chérie. Parce que je suis parti, j'avais 10 heures de temps là, faire de l'autre côté où je suis consultant là, dans la GIZ. Donc, je. Je sais que ça m'avait les gros mots que consultant. Les gens, il a menti à ma copine que. Qu'il est consultant, voilà ça. Je termine à peine là, je voilà. Donc d'ici une heure de temps maximum, je serai à la maison en fait. Donc on se dit tout à l'heure, chérie, désolé, hein, je peux. Il est comme ça, c'est en Tunisie en train de mentir qu'il a mec. Trouvez-le, il manque pour l'amour. Bon, oui, je pense bien que j'irai parce que, mais en même temps aussi, je regarde mon agenda. C'est pour cela que je suis en train de regarder parce que, vu l'inauguration de mon centre multimédia. Centre multimédia, maman, voilà quelqu'un qui dit que l'inauguration de son centre multimédia, oh. Écoutez, maman. Je pense bien que j'irai parce que, mais en même temps aussi, je regarde mon agenda. C'est pour cela que je suis en train de regarder parce que, vu l'inauguration de mon centre multimédia, du projet dont je t'ai fait allusion, c'est prévu au mois de mai, au mois d'avril. Voilà. Donc, je suis en train de regarder parce que je voulais bien mettre ça au mois de mai, mais je peux pas faire plus d'un mois au Cameroun. Donc, c'est ça le problème. Je n'ai que deux semaines. Donc, je suis en train de regarder, de juger un peu, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce ne sera pas évident pour moi, mais bah, je verrai bien ce que mais je vais bah. Faire. Mais je ne peux pas manquer. Nous étions neuf. Voilà la première perte vraiment. J'ai jamais perdu un membre de famille aussi cher. Bah, les gens, c'est quand il annonce donc à ma copine que... C'est quand il annonce à ma copine qu'il a perdu sa soeur. Et ma copine demande que tu vas donc aller. Ma copine ne me cache rien. Hein. Bon, oui, je pense bien que j'irai parce que... Mais en même temps aussi, je regarde mon agenda. C'est pour cela que je suis en train de regarder parce que vu l'inauguration de... Son centre multimédia. Madame Tam. Le projet dont je t'ai fait allusion, c'est prévu au mois de mai. Au mois d'avril. Il se trompe même dans ce mensonge. Donc, je suis en train de regarder parce que je voulais bien mettre ça au mois de mai, mais je ne peux pas faire plus d'un mois au Cameroun. Donc, c'est dit à ma copine de l'accompagner au Cameroun pour le centre multimédia. Je suis en train de regarder, de juger un peu, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce ne sera pas évident pour moi, mais bah, je verrai bien ce que et je bah. Mais je ne peux pas manquer. Nous étions neuf. Voilà la première perte vraiment. J'ai jamais perdu un membre de famille aussi cher. Bah, c'est ma première fois et ça me ronge énormément. Ça me fait mal et c'est pas du tout évident pour moi en fait. Manque mais ça sinon, bon, on essaie juste de joindre les deux bouts. Voilà, c'est un peu ça. Oui, effectivement, mais sauf que je sais pas encore, chérie. Franchement, c'est un peu compliqué vu que mes congés, en fait, je prends plus les congés en juin. Et c'est quand même. Faire là, franchement, c'est un peu compliqué. Même quand je vais au Cameroun, c'est bref, parce que j'ai plein de trucs là et c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai un truc aussi du côté du Tchad que je voudrais lancer, mais le problème c'est que avec ces programmes là, c'est un peu long. Je cherche un peu l'intervalle de même deux semaines encore. Et c'est très compliqué en fait. Donc je prendrai la peine de t'expliquer. Permets-moi d'arriver tout à l'heure à la maison, chérie. Et puis je te relance tout à l'heure, ok? J'ai vraiment mal, ça me dérange beaucoup, franchement. J'ai tellement mal parce que cette histoire-là ça m'affecte énormément. Ça m'affecte énormément même. Et bon, Dieu, je pense que ça ira. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Il parle de Dieu dans sa bouche. Mais je verrai bien. Peut-être un week-end. Voilà, je verrai ce que je vais faire. Je peux pas manquer de toute façon. Donc, c'est un peu ça. La famille, la maman, elle est inconsolable. Hein, donc, les parents aussi sont déjà un peu âgés. Puis voilà, la fatigue et tout ça, là. Il faut bien qu'ils soient reconfortés, revigorés aussi par notre présence, tout ça. Donc, il y a plein de choses, quoi. C'est où il envoie maintenant les vidéos que sa soeur est morte. Réunion familiale.
je te parle les choses, ça fait dur parce qu'elle est décédée dimanche surpassé en fait. Elle était bien partante, elle était partie samedi au village, elle a fait une petite réunion familiale avec quelques frères là-bas. Et comme le papa, il est un peu souffrant, bon, voilà. Donc, en fait, comme on a titré un peu tous les terrains, et puis voilà, il y avait une assise, et puis comme c'était à l'aîné, bon, du coup, elle était donc partie là-bas pour cette assise-là. Donc, elle part donc dimanche, et voilà, mercredi, elle tombe, voilà. Là. Voilà, du Saint-Sama qui raconte l'histoire, il invente la mort, jusqu'à, il raconte les gens, vous pouvez imaginer que la personne s'y manque. Écoutez. Voilà la dernière vidéo. Bon, de toute façon, c'était une petite réunion familiale. Je te parle les choses, ça fait dur parce qu'elle est décédée dimanche surpassé en fait. Elle était bien partante, elle était partie samedi au village, elle a fait une petite réunion familiale avec quelques frères là-bas. Et comme le papa, il est un peu souffrant, bon, voilà. Donc, en fait, comme on a titré un peu tous les terrains, et puis voilà, il y avait une assise, et puis comme c'était à l'aîné, bon, du coup, elle était donc partie là-bas pour cette assise-là. Donc, elle part donc dimanche, et voilà, mercredi, elle tombe, voilà, l'AVC. Elle est sous oxygène pratiquement mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche matin. Voilà, dimanche à la première heure, ben 23h, elle décède. Non, elle n'était même pas qu'elle était souffrante ou franchement, bon, c'est pas grave. Et bon, de toute façon, ça fait mal, mais bon, après... Voilà comment les gens... Donne plus d'agnac. Oui, mon petit cœur, t'es rince pas trop, en fait. C'est la volonté de Dieu. Bon, moi, je suis pas celui-là. Bon, c'est vrai que on dit la sorcellerie et puis le reste existe. Mais on n'en disconvient pas. Comme ça, nous restons les bantous, nous restons les Africains, et puis voilà, mais si c'est une personne qui l'a fait, bon, tant on ne peut pas me faire ça. La personne, certainement... Moi, j'ai dit à ma copine que ma coach, tu tombes amoureux de quelqu'un, moi, ne peux pas me faire. Je suis une coyote. Ça me donne beaucoup de courage. Je suis une coyote, elle m'a envoyé tout. Je suis vraiment désolé pour le papa, qui? Franchement. Maman, mieux, hein. Ce que c'est. Ça calme ses manques. C'est la perte de ma soeur, là, que j'ai compris le fond, en fait, de... On ne peut pas me faire des choses comme ça. Franchement, ça me... Mieux que ça calme ses manques, je suis qu'elle on ne peut pas me faire l'autre là. Que qui va aller supplier le mariage que... Hein, comment les gars vous font? Ma copine. J'ai coulé les larmes déjà, franchement. Ma copine. Quand j'ai vu le gars si, quand on était ensemble, quand j'ai vu le gars si, comment il te payait que Mako, le gars si ressemble à un bandit. Tu m'as convaincu que voilà ça aujourd'hui. Ma copine, voilà ça qui t'a laissé au carrefour. On t'appelait là Madame Tama entre nous. Coco, Mako, Madame Tama, Mama, ton mariage, c'est. Jusqu'à on disait qu'en décembre, on devait faire ton toqué-porte. Que toqué-porte en décembre, il programmait. De ma copine, toqué-porte, voilà. Oui, mon petit cœur, t'es rince pas trop, en fait. Les petits cœurs. C'est la volonté de Dieu. Les bon, petits cœurs. Je ne suis pas celui-là. Bon, c'est vrai que tu vas trouver. On dit la sorcellerie et puis le reste existe. Ben, je n'en disconviens pas. Bon, ça, nous restons les bantous, nous restons les Africains, et puis voilà. Mais si c'est une personne qui l'a fait, bon, tant mieux. Non, te cherche. Certainement, tu vas écoper. Voilà. Mais tu comprends, non? Peu importe où tu seras, amen. Ça me donne beaucoup de courage. Et je suis vraiment désolé pour le papa, hein. Franchement, je sais ce que c'est, parce que c'est la perte de ma sœur là que j'ai compris le fond, en fait, de la disparition d'un membre cher. Franchement, ça me... J'ai ma nièce pour moi, comment ma copine est là, qu'elle va se marier. Ça m'a tellement affecté que... Elle ne fait pas saluer ma copine devant un truc de mariée. Elle regarde les robes de mariée. Tu dis que maman, une vieille chose comme toi, tu rêves encore du mariage. Tout ce qu'on programmait, comment quand elle va se marier, ça sera le bénévoir. Je suis arrivé à couler les larmes comme ça de mes yeux, puis parce que tellement la douleur était grave, elle est grande, elle est profonde. Fais pitié. Donc, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et quelque chose, tu viens de dire quelque chose qui me marque là, malgré, parce que comme j'ai presque terminé,
Justement, si je voulais te répondre d'abord aussi avant de prendre la route là. Prends la route alors qu'il ne travaille pas. Donc, ce qui m'a touché tout à l'heure, en fait, quand tu, ça me rassure que effectivement tu es une personne, c'est là que je cherche avec qui je peux vraiment compter, en fait. Parce que ce qui nous dérange de nos jours, on n'a que des personnes, c'est vrai. Bon, quand. Il a fait quoi? Il a menti pour l'amour à une femme. Il s'est battu un peu. Quand t'es tu as compris? Tu dis que finalement, il a fait quoi? Il a menti ma copine pour l'amour. Tu as compris? Tu dis qu'il a fait quoi? Il a blessé le cœur de ma copine. La dernière fois, ma copine était chez elle, alors, c'est qui alors fait, on a découvert que le gars s'y ment. Il dit à ma copine qu'il va aller la voir. C'est comme ça que ma copine fait, donc, elle prépare, non? Elle prépare, elle dresse la table, elle fait même les trucs du village, quoi. Comme je lui avais donné aussi un peu la viande de brousse. Je lui avais donné un peu le pangolin, j'ai donné un peu le varan que je suis rentré du pays avec. Quand j'appelle ma copine me dit que Marco, je suis seulement en train de préparer seulement pour attendre le gars. Et j'ai même conseillé à ma copine que Marco, dresse seulement bien. J'ai même dit à ma copine que Marco, un gars comme ça, tu vas dormir avec. Ma copine m'a dit que non, ils vont prendre l'hôtel. J'ai dit à ma copine que d'accord, Makota. J'ai dit que oui, d'accord, Marco. Donc, ma copine, alors, elle fait la table, elle prépare. Comme elle était seule, hein? Donc, elle était seule, elle a cuisiné et tout. Le gars l'a menti qu'il venait vendredi. Alors, ma copine, alors, qui tombe, elle commence à préparer. Elle fait le magne. Donc, elle prépare, non, les nourritures. Elle a fait plusieurs repas parce que, comme je l'avais conseillé, comme ma copine, fait un buffet. Pour l'attendre. Tu invites aussi même quelques amis. Comme c'est le bon gars qui vient te voir. Invite aussi même deux, trois amis. Au moins, s'ils arrivent, tu es avec ton gars. Ma copine a écouté mes conseils. J'ai même dit le vin qu'elle va acheter. J'ai d'abord pensé que les fruits de mer. J'ai dit que les fruits de mer, les Africains. Les fruits de mer et tout. J'ai dit à ma copine que Marco, fais un bon truc. C'est comme ça alors que ma copine... fait tout, elle allume les bougies, elle fait tout, 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 tout. Le gars devait arriver pour voir ma copine le vendredi. Elle attend, le gars, elle appelle le gars lui dit que je suis en route, j'ai pris la route. Jusqu'à 1 heure, ma copine n'a pas dormi. Nous, on était seulement au téléphone comme ça, entre nous, que ma course c'est comment, non, le gars est derrière là, non, rien. Ce qu'on dit que, mais c'est quelle qualité le gars, il n'est pas, il te donne rendez-vous qu'il arrive, il a dit qu'il arrivait, non, il n'est pas encore là, comment? Il n'est pas encore là comment? Ma copine, le matin, je l'appelle, elle dit que ouais, ton gars est. Finalement, ton gars est arrivé alors. Elle dit que non, il a dit qu'il venait samedi. Le samedi, le gars dit à ma copine que oui, il va venir. Le samedi, encore ma copine met tout au frigo. Elle appelle le gars, le gars dit, ouais bébé, je suis sur la route, c'est monté, c'est descendu. Après, il appelle ses mains, ma copine, dit à ma copine que, oh bébé, j'ai un problème là, est-ce que tu peux faire? Ma copine. Voilà, il a envoyé d'abord, voilà, pardon, j'ai oublié une partie. Pour arranger ma copine, il envoie ma copine un code de RIA. Il dit que bébé, ouais, le vendredi, je suis rentré du boulot, j'étais trop fatigué. Voilà un RIA. Que il faut que tu ailles retirer. Ma copine est partie s'aligner à Ria. Elle a donné le code. Il a donné le faux code de Ria à ma copine. Je sens ça, ma soeur, un menteur. Il a donné le faux code de Ria à ma copine. Elle m'a envoyé publier. Parce que ça porte le nom d'une femme aux États-Unis. Hein. Je vais publier ça. Elle est partie s'aligner là-bas à Ria. Il n'y avait rien. Oui? Voilà l'histoire. Et vous pensez qu'un gars comme ça, on ne doit pas dénoncer? Vous pensez qu'un gars comme ça, on ne doit pas dire pour que d'autres femmes qui tombent dans le piège? Pour que les femmes qui sont là, qu'elles ne tombent plus dans le piège, même si on vous présente quelqu'un. Il y a les malhonnêtes ici dehors.
Vaut mieux, hein? Achetez vos nids d'amour, maman. Vous pensez que quand vous voyez que je suis seule comme ça, mangez mon nid d'amour, non. Passez les problèmes de cœur. Passez les femmes comme moi, là. Comme nous. Bon, parce qu'on est ensemble, quoi. On tombe amoureux jusqu'à... Les vierges. Et c'est comme ça qu'on fait confiance. On tombe amoureux, après on nous déçoit. Voilà ça. C'est que ma copine a eu. Elle te dit, voilà l'histoire. Vous pensez que quoi? Qu'un homme va venir briser les cœurs des femmes? Comme ça? Son histoire ne va pas s'arrêter comme ça. On va continuer le combat. Les filles, continuons le combat. N'ayons pas honte. Dénonçons ce gars. Lui, il faut voir comment, quand il appelle les femmes en vidéo, il montre ses placali, il montre son aplaca. Comment il est un gars musclé avec des tablettes de chocolat. Tu vois même le genre comme ça, c'est la chenille qui est en bas de ses cuisses. Oui, Justin, ça me suit ce que tu es un gars qui est. Tu ne peux même pas faire l'amour à une femme. Tu ne peux pas faire l'amour à une femme. Tu as fait l'amour à quelle femme on a vu? Tu ne peux pas. Le genre de gars qui fait la bouche, qui fait les trucs comme les... Je suis sûr que tu es même double sim là-bas en Tunisie. C'est sûr qu'on te... Tu fais derrière la bordelerie. C'est sûr qu'on te met ça par derrière. Tu fais le poteau. Je voulais annoncer aux gens de Bolova là-bas que de Mbalmayo, que tu n'es pas en bain. Tu es en Tunisie et on va te retrouver. Ouvrez la ligne ouverte, appelez-vous témoigner contre ce gars. Appelez le numéro. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? J'ouvre maintenant la ligne, vous appelez. Envoyez les messages à ce gars. Envoyez les messages à ce gars, s'il vous plaît. D'accord, ma belle fille chérie d'amour. Tu m'embrasses, poupouille. Hein? Tu m'embrasses, ma poupouille. Être bien éduqué, donc, j'ai pas le temps pour toi, ma pauvre amie, maniqué. Regarde-moi quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui ici. Allô? Allô? C'est qui? Oui, bonsoir, ma femme. Ah, je t'ai vu avec la bougie. Je croyais que c'est le bandit de Justin Samala. Non. J'appelais pour une théorie par rapport au direct. Oui, tu le connais, le gars là? Non, ma femme, je ne le connais pas. J'avais juste une question, ma femme. Oui. Non. Quand tu me vois, gars, tu me vois une coyote comme elle peut tomber dans le genre de choses que tomber amoureux jusqu'à perdre la tête, commencer à préparer pour attendre un gars. Non, parce que tellement les détails que tu donnes là, on ne reçoit pas les voix que la copine en question a envoyées. Ah, tu... Il faut aussi mettre les voix que la copine lui a envoyées. Ah, d'accord. Non, c'était les échanges du Ndolo, non? Donc je mets... Oui, il faut mettre les réponses de la copine comme ça, on aura une belle certitude, on saura que c'est pas toi, ma femme. D'accord, je mets. Attends, va écouter, je mets. On ne contredit pas la reine mère. On ne contredit jamais la patronne. Appelez pour donner les messages à ce gars. On ne contredit pas la mafo. Quand la patronne a parlé, maman, j'ai... Mais on ne contredit pas la reine mère. Ma copine m'a dit que elle veut rester dans la discrétion. Comment je vais maintenant venir mettre ces choses? Hein, le père? Le père, comment tu veux maintenant que je vienne mettre les choses de ma copine? Ah, vous aussi. Apprenez aussi à comprendre.
Comment c'est moi, ça veut dire que quoi? Quand je raconte ici une histoire, vous doutez? Moi, je ne mens jamais. Donc, vous doutez, vous dites que c'est moi? Parce que j'étais venu demain la recette du sanga, c'était quand là? Parce que demain, moi j'ai grandi à Yaoundé, à Biémassi. Si demain la recette du sanga, ça veut dire que je suis avec un gars à Yaoundé. Hein? Je ne sais pas faire le mbongo. Hein? Personne n'appelle ici pour dire que mets ce que ta copine a dit. La ligne est ouverte. Que personne n'appelle ici pour dire, c'est pas parce qu'il avait parlé que le sanga. Que j'ai demandé la recette du sanga. J'ai demandé pour donner à ma copine. Oh mon amour. Oh papa. Oh lolo. Mon petit cœur. Poupouille d'amour. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi la princesse Nganla. Ouh là là. Toujours dans les jeux. Comment elle est grande. Merci chérie pour les photos de Poupouille. Vous appelez ou pas? Donc, je viens raconter l'histoire de ma copine. Vous forcez seulement que vous voulez écouter ses messages. Pourquoi? C'est une blessée de guerre. Elle a été blessée. Oui, allô? Je vais bien, mon grand. Il est noir. J'ai tenté l'imposition de te faire signe. Tu m'as fait signe. Je ne sais pas savoir que tu ne le fais pas. Ah non, j'étais en voiture. Comme j'étais tellement pressée. Pardon, non, je suis attends. Oui. Le gars Bafang, si tu me veux quoi? Oh, attends, coucou. Attends, je... Ouh. Ma fille. Ça va, la miss? La seule blanche qui peut pas le tarot. Je pars la semaine prochaine. Attends. Tu t'en vas au Cameroun la semaine prochaine? Mais j'habite déjà là-bas depuis 3 ans. Non, elle n'est pas. Attends. Attends, c'est quoi? Attends, je pars la semaine prochaine. Attends, tu t'es marié au Cameroun. Tu es où? Tu es à Yaoundé ou à Douala? Je suis à Douala. Ah, tu es à Douala. Ça se passe bien? Oui, depuis 3 ans. Mais la dernière fois qu'on s'est vu dans l'avion, tu te souviens, j'étais déjà installé. Marco, c'est ma femme. Laisse-moi tranquille. Kameni, c'est quoi? Laisse-moi parler avec la blanche, c'est quoi? La blanche des Camer. On prend l'argent, mange jusqu'à 2 euros de plus. Recule-toi, laisse-moi parler avec ta fille. C'est comment? C'est comment vous êtes en Ganda? Vous êtes à Paris? Oui, là on est à Paris. Mais il fallait me dire j'allais venir. On sort la Bulgarie, on sort la Bulgarie. Ouais. Arrête de crier dans ses oreilles. Il a déjà vu. Tu le connais, non? Je t'ai dit, tu vas au Cameroun quand? La semaine prochaine. Tu fais quoi? T'as trouvé le boulot là-bas ou quoi? J'ai ouvert l'institut. Ah bon? C'est moi qui ai l'argent pour vous. Oh, sinon, tais-toi. C'est quoi? C'est moi qui ai l'argent. Kameni, pardon, reste tranquille, dis donc. C'est quoi? C'est moi qui ai l'argent. Tu fiches au camp. Pardon, donne-moi son numéro. J'arrive au Cameroun, là. Je serai au Cameroun. Tu vas faire combien de temps, là? Moi, c'est indéterminé parce que je suis déjà installé là-bas. Ah, bientôt, je viens aussi m'installer. Tu habites où? Maman, c'est sûr qu'il y a les bons gars. Tu as appris tous les bons gars du Cameroun. Dès qu'ils voient une blanche comme ça, ils sont seulement à tes pieds. Ils posent les millions seulement. Les millions seulement. Tu viens quand tu veux, non? Paris, il faut nous trouver le réseau. Trouve-nous le réseau là-bas. Je vais te donner mon numéro. D'accord. Je t'appelle ma grande. Gros bisous. Tu fais attention à toi, hein? Bisous. Kameni. Bisous, mon frère. Maman, il y a quoi en bengue? Moi-même, non. Dès que tout le monde m'a parlé de milliardaire au Cameroun, je m'en vais m'installer, maman. Dès que tout le monde m'a parlé, je fous quoi ici? Il y a quoi ici? J'ai mon kaolo. Je parle même, je kaolotise. Vous n'appelez pas pour me laver, restez, monsieur Ntama, maman. Donc, j'explique mon histoire. Vous préférez laisser. D'accord, je coupe le direct alors. Hein? Donc, il y a l'histoire de monsieur Ntama.
Il y a un numéro qui m'appelle des États-Unis, mais je ne comprends pas. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Je ne peux pas appeler avec mon téléphone. Ou les Américains, là. Alors, comment on fait? Mais appelez le numéro, vous me lavez ce gars, non? Oh, vraiment. Je dis que le réseau, c'est monsieur Ntama, hein. N'importe quoi. Je coupe le direct parce que vous m'énervez. Vous ne voulez pas me laver ce gars. Oui, mon frère, c'est comment? Oui. Mais est-ce que c'est moi? Arrête un peu, dis donc. C'est quoi? Ma vomang. Voilà, oui. Je te dis. Ma copine que tu connais là, on était là. La dernière fois qu'on est sorti, elle était là avec moi. Mentir sur l'amour. Oui, disons, mentir sur l'amour à ma copine, parce qu'elle croyait déjà, elle se voyait derrière que madame telle. Même moi, je l'appelais derrière comme ça, par son nom marital. Vraiment, les hommes sont méchants. Hein. Je dis que jusqu'à ma copine a préparé la nourriture, Guizot. Si tu vois le dessin, elle a dressé la table, allumé les bougies, fait le tout, love, love, qui seront à deux, dresser son lit, arranger, prendre les dernières valises des draps, mettre sur le lit que quand le gars va venir, ils seront seulement que les cris de ça dans la maison. Mais c'est un chanceux, hein. Ça, je te dis. Elle avait dit que ma copine m'avait dit que en tout cas comme elle est seule à la maison, c'est qu'elle est sûre que elle va, même si c'est le premier, elle va gnasser avec. Oh ah. Oui, elle m'a. Non, tu sais qu'elle est moi, c'est qu'elle était claire. Elle m'a dit que même si c'est le premier, je combo, que ça fait combien d'années? Ma copine m'a dit que vous avez combien dit, je vais goûter ça. Oh ah. Tu sais qu'il a même promis à la fille le mariage jusqu'à dire que décembre, raconter les conneries. Oui. Tu te souviens, j'avais demandé que le sanga. C'est ma copine là qui m'avait demandé que ouais, comme tu as les fans, demande alors qu'on fait le sanga. Comment? Je suis aussi venu demander, mais non, on dit que c'est moi. Je vais refuser. Elle te dit. Merci. Merci pour. Elle te dit. Elle était sûre. Hein? Elle se voyait déjà que non. Oh. Elle avait même dit. Voilà, ma copine m'a même dit que tu vois où t'avais amené, non? Elle avait même dit au gars qu'il peut aller prendre. Il a dit que non, il n'aime pas les milieux africains. Tout ça, ma copine lui a dit que ouais, on peut aller prendre un verre. Ce n'est pas les soirées. Jusqu'à ma copine me disait même déjà comment le jour qu'elle trouve ma part, il faut que je quitte Facebook un peu. Pour que le gars tombe amoureux totalement. Tu vois comment ces garçons quand ton travail. Quand c'est comme ça, la première fois, ils ont un peu la confiance pour te dire. Est-ce que c'est moi qui ai trouvé le gars? Maman, on a présenté le gars. C'est une maman là qui a présenté le gars à ma copine. Est-ce que c'est moi? Je te dis. Elle a souffert de ça. Hein? Elle a souffert. Elle s'est dit que maman, si c'est que Dieu merci que le gars s'est arrêté en route. S'ils avaient seulement combo et que le gars tombe dans ce songo comme ça, elle peut même se donner la mort. Parce que c'est une fille qui tombe facile. C'est une fille qui tombe gravement amoureuse. Hein? Quand tu vois ma copine là, tu vois que c'est une dure mère. Quand elle est amoureuse, maman, elle devient comme un bébé. Ouais, vraiment, si je peux la voir, moi, je suis celle-là, je te jure. Ouais. Je vais lui passer ton message, Guizot. Je te dis, je vais lui dire que, ma, vous avez les vrais gars qui vous draguent autour, vous partez toujours là où c'est mauvais. Ouais. Je te dis. Tu sais, c'est là. D'accord, je vais lui dire, je vais l'appeler, elle nous suit. Dieu, non. Du Saint-Sama, tu sais, peut-être c'est quelqu'un qui m'appelle, qui le connaît. Tu seras retrouvé. Ouais.
aussi. Oui, Kameni, je suis en direct, non? C'est pour ça que je ne te prends plus. Hein? Merde. Non, les gars ont les médicaments dans le sac, mon frère. Les médicaments pour draguer les filles, pour parler aux femmes. C'est pas possible. Après, on va raconter que les femmes sont devenues les lesbiennes. Vous voyez alors les choses comme ça? Comment veux-tu qu'une femme commence à continuer à faire confiance à un homme avec tout ça? Monsieur Ntama, soi-disant, il faut écouter les voix. Jusqu'à ma copine. J'avais dit à ma copine que le gars, si, c'est trop beau pour être vrai. On met le numéro que vous appelez, vous n'appelez pas pour le laver et rincer. Vous ne. C'est comment? Quelqu'un vient mentir. Je vous ai dit que c'est ma copine. Vous ne pouvez pas défendre. Merci. Bonne nuit. En tout cas, partez. Dormez bien. Trouve-toi un homme mûr. Tu m'as trouvé quelqu'un. Tu m'as trouvé une personne. Que quoi? Que je me trouve un homme quoi? Chérie, je vais rentrer avec les blancs parce que les Africains, ce sont des gros menteurs. Déjà, ce milieu des Africains... Je mets à l'oreille d'abord. Oui, allô? Oui, ma grand. Oui, chérie. Oui, maman, c'est comment? À qui, maman? Ah, pardon. Il n'y a pas le micro sur ça, maman. Attends. Que quoi? J'ai coupé. Oui, dis. Oui, attends, je baisse. Oui, dis. Hein, dis-moi. Oui. Oui, je non, non. Ok. Moi, je suis ici en France comme ça. Nous avons tous les réseaux. 15 ans, non. Il fallait qu'il pambimi sort, il fuit au pays. Il restait d'abord là-bas, pourquoi? Mais je non. C'était mardi, bien sûr, non. C'est mardi, il est au tribunal. La police l'a conduit une fois en prison, 15 ans. Il fallait qu'il parte. Il pouvait sortir, ma pied, il passe par le Canada. On coupe les fers là sur ses pieds. Le bracelet ou ses bracelets électroniques. Il y a des gens qui enlèvent ça. Si on donne seulement même la permission, il sort, il disparaît, non? C'est tout. Non, c'est comme ça. Je te dis. C'est pas. Les Américains ne s'amusent pas avec les trucs là. Ils ne s'amusent pas. Parce que même l'autre famille là a retiré la plainte. Ils ont retiré même. La justice a signé que. Moi-même, ça me fait mal, un jeune. Il va aller connaître un truc là-bas. Eh, Seigneur. T'es dit. Dur, hein. T'es dit, moi. Vous, les femmes, si, vous êtes terribles. Hein. Justin Tama, tu seras retrouvé. Tu comprends, non? Ne pense pas que tu vas rôder dans le monde entier. Et menti les femmes. J'ai montré ta photo, j'ai publié partout. Que dès qu'on te voit, on m'appelle. Je prends l'avion, je vais te voir face to face. Tu comprends, non? Je vous laissez pas aller dormir. J'ai dormi, vraiment. Parce que l'histoire, si vous commencez à tourner, mettre sur moi comme ça, là, mieux je m'en vais, moi, regarder mes choses. Mieux, je m'en vais m'asseoir, je commence à regarder ma piscine là. Je commence à regarder la piscine et tout. Je commence à regarder mes choses. Je préfère parce que, avec vous là, dès qu'on vous dit quelque chose, vous commencez à tourner, vous mettez sur moi. Donc, comme c'est comme ça, je commence moi à regarder moi, mes prospectus. Donc, vraiment, je vous laisse. Comme vous avez tourné, je viens raconter une histoire. Ma foment, non. Je raconte une histoire, vous tournez pour mettre sur moi. Je mets même la ligne qui a appelé. Vous voyez pourquoi je n'ouvre plus la ligne? Parce que ça ne sert à rien. On vous dit d'appeler pour encourager, pour laver ce gars. Pour commencer à dire que Madame Tama, toi Kinjel là,
Tenga man menore. Metabe segayon. Noga. Metabe segayon. Tenga man men. Nyou kin kale menou. En ka wele metabe segayon. Men te komante yon. Depuis. Tu ne fais qu'insister que c'est moi. Tu les avais. Chouque de tes noyaux. Arrête tes conneries là. Hein. Tout ce que tu dis que ma jeune chouque. Chouque, c'est votre père à vie. C'est le vrai père là-bas. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir ma grande. Oui. Oui, enlève le mouchoir sur ta bouche, s'il te plaît. Tu peux retirer ce que tu as mis à la bouche parce que je ne t'entends pas. Oui, mais je vais dire que tu as mis un truc sur la bouche. Moi, je n'ai pas mis le haut-parleur. Je t'ai mis à l'oreille. Essaye un peu, c'est parce que les écouteurs. Ah, d'accord. Tu connais le gars que j'ai montré là? En privé, non, non, là, je vais couper, on parle alors en privé. Je coupe le direct, on parle en privé. Tu le connais, hein? Attends, je coupe le direct. Ok, attends, je coupe ma... Attends, je vais raccrocher d'abord le direct. Je te prends en privé. Bon, les cœurs, on fait comme ça. Comme vous avez faut dire... Wekinjel. Viens-nous. Allô? Oui. J'ai mis à l'oreille. Ok, je peux mettre le haut-parleur. Ok, donc, témoignage. D'accord, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma fille. Parle un peu fort, maman, s'il te plaît. On ne t'entend pas bien. Oui, bonsoir, ma fille. Bonsoir. Oui, j'appelle par rapport à cette histoire qui se passe. Hé, on t'entend. On t'entend. C'est comme si tu as un téléphone à côté. On t'entend de très loin. Allô? Oui. Oui, je t'entends. Mais je vais dire que le téléphone qui a... Il y a un téléphone à côté de toi qui a le direct. Il faut enlever ça d'abord. Parce qu'on entend ton live ici passer. Le live que tu es en train de regarder. D'accord, hein? On t'écoute. Il y a une réalité. C'est un gars qui escroque même les hommes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens doivent faire très attention, que ce soit avec des femmes, que ce soit avec des garçons aussi. Parce que c'est quelqu'un qui se permet, avec son histoire de millions et des millions, moi, mon frère, il a été victime. Parce qu'il lui a dit qu'il avait des... Il avait 55 millions et qu'il fallait qu'il ouvre des comptes bancaires et pour qu'il vire l'argent. Heureusement, mon frère, il est parti. Et quand je passe, c'est lui qui m'a demandé de parler justement parce qu'il est dans le direct ici. Le direct, il ne peut pas parler parce que c'est quelqu'un qui est connu aussi. Enfin, voilà. Et il est allé se renseigner à la banque chez un de ses amis banquiers. C'est lui qui lui a dit non, n'ose pas. Si tu donnes l'argent à mon père pour aller garder quelque part, tu pourras le faire. Mais si c'est dans une banque, n'y va pas. Alors, il a angoissé mon frère dans ce sens. Ils ont pris contact. Et un jour, il y a une de ces femmes qui s'est multipliée femme l'année dernière qui est partie au Cameroun. Si je sens qu'elle m'a aidé dans le direct, il sait de quoi je parle. Il est parti au Cameroun. Sa femme, une de ses femmes est partie au Cameroun. Il a dit à mon frère, donne-moi une de tes voitures. Ma femme va rouler avec pendant qu'elle sera au Cameroun. Mon frère a dit, ok,
ok, il n'y a pas de souci. Il y avait des petits frais à prévoir dans la voiture. Il a dit à mon frère, prête l'argent. Je vais donner l'argent à l'espèce à ma femme. Elle viendra te donner. Donc, mon frère a encore arrangé sa voiture. Il avait une grosse voiture qui pouvait faire des grosses lignes. Et il a arrangé la voiture. Il est allé chercher la femme à l'aéroport. Et il a donné la voiture au frère de Justin Tchama, qui est pasteur, parce que soulignons qu'il a un frère qui est pasteur. Wow. Et ils sont partis avec la voiture jusqu'à ce jour. Mon frère n'a pas vu sa voiture. Il a la recherche de sa voiture. Il a même appelé le frère de Justin Tchama en question. Et apparemment, Justin Tchama a dit à son frère que c'était sa propre voiture à lui. Donc, le frère partait juste pour récupérer. Lui, il savait que c'était sa propre voiture à lui. Et heureusement, par la grâce de Dieu, mon frère a récupéré cette voiture. Il part jusqu'à ce jour parce qu'il a fallu que mon frère lui présente tous les papiers et tout pour lui dire « c'est ma voiture ». Mais je ne comprends pas. Et c'est l'histoire est terminée au commissariat pour récupérer une voiture pourrie. Donc, il y a la voiture, il y a son argent qui sont partis jusqu'à ce jour. Et quand il appelle Justin Tchama, il lui sort un gros français tel que j'ai écouté dans ses voices, un français qui n'est même pas déjà soutenu par rapport à son niveau d'études dont il prétend être. Il lui a dit qu'il est en Italie et un truc pareil. Il a commencé à sortir un gros français et il a bloqué mon frère. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, il a récupéré sa vieille voiture qui est jusqu'à ce jour carré. Il ne peut plus l'utiliser, il ne peut plus rien faire. Il lui a bloqué. Et aujourd'hui, quand il a vu le direct, il s'est dit, bah, donc, le karma est là. Donc, faites attention, il peut escroquer, comme il a escroqué, soit il a escroqué ta copine, même sentimentalement, il escroque aussi des hommes. Faites attention, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Voilà au moins quelqu'un qui appelle, qui connaît bien, qui parle. Vous êtes là, vous? Voilà au moins une personne qui appelle pour apporter un bon témoignage. On fait les choses pour vous sensibiliser. Vous êtes là? Voilà au moins une personne qui appelle pour apporter quand même quelque chose. Vous voulez quoi à la fin? Quand on veut faire les choses pour sensibiliser, vous commencez à faire, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Donc, ça ne sert à rien que je dénonce. Un jour, ça va vous arriver, vous allez comprendre. Le prochain direct, c'est un gros gigolo manipulateur qui est à Lille. Il est venu, il est Mbappa. Il est venu rencontrer une famille que je connais à Lille. Il a tourné le cerveau de tout le monde. Et dans la famille, tout le monde commence à péter les plombs. On va le dénoncer, c'est un Bafoussam, non? Bappa, là, ce n'est pas les Bafoussam. Voilà, Bafoussam là-bas. Il a d'ailleurs reconnu 54 enfants. 54, bien comptés. Il prend l'argent partout pour faire la reconnaissance. Et puis vous avez dit qu'on a trahi au blanc. Un père responsable, tu le vois, il porte costard cravate. Il a déjà reconnu 54 enfants. Quand il reconnaît ton enfant, il commence à faire le chantage. Il sait que tu n'auras jamais le kaolo. Il a le papier belge. Il vient reconnaître la reconnaissance à Lille. Avec ça, il sera dénoncé. Et les victimes vont parler de lui. Vous ne voulez pas qu'on parle des Camerounais qui abusent des gens? Vous ne voulez pas qu'on dénonce des sujets? Ben, si vous ne voulez pas, ben, on ne dénonce pas. Il y a des gens qui ont besoin de savoir. Vous pensez qu'à ma soeur sur Facebook, on me paye quoi? Je pouvais être en train de dormir. Je pouvais être en train de regarder ma série.
Je me suis levée du lit, vous avez vu mes cheveux, je dormais, je me suis dit que hey, j'ai donné le rendez-vous pour le direct. J'avais genre mon whisky, je pouvais moi être en train de dormir. Mais j'ai laissé. Donc celui-là, on va le dénoncer. Et cette famille va venir parler sur Facebook. Ça sera le week-end. Ce week-end, j'ai même quoi? Ça sera le week-end. Un gigolo à Lille, un père. Il a même été publié chez Kongosa. Kongosa quoi là? On l'a même déjà envoyé là-bas à Kongosa qui quoi là. Il y a quelqu'un qui l'a. Attends, je mets d'abord. Je vais vous montrer. Un père responsable. Il est clair. Regardez. Le voici. Il a été publié même chez Bouillon Chaud. Pour dénoncer. Bouillon Chaud l'a même dénoncé. Hein? Il boit le bouillon partout dans l'île. Il a d'ailleurs reconnu 54 enfants. Il a le belge. Et vous les femmes, là, sachez que quand un gars a trop fait la reconnaissance, hein, le kaolo ne sort pas. Oui. Il a d'ailleurs bloqué combien de familles? Le tout, s'il a rendu une famille en dépression. Tout le monde est dans la dépression dans cette famille. Et ils vont témoigner ce week-end. Les frères, les sœurs, une bonne famille digne. Mais il est entré dans cette famille draguée. Commencé le premier jour, il a donné 500 euros à cette fille. Elle a cru qu'elle avait trouvé un bon gars dans sa vie. Vous savez que l'argent, c'est le diable. Quand il arrive dans cette famille, il vient de Belgique, il dit que du même village. Il met son costa, car il vient dire que du même village. Premier jour, donc, il rationne à 500 euros. Il squattait dans chez un autre gars à Lille. Quand il a donné 500 euros, la fille a commencé à dormir là-bas tous les jours. Il ne voulait plus partir. C'est comme ça que ses affaires se sont retrouvées entassées. Il est donc venu comme ça en mariage dans le vieux on reste. Il arrive dans le vieux on reste. Il ne reste même pas dans le mariage. Tous les jours, il fait ses bagages qui part. Dès qu'il y a un peu les problèmes de couple, le valet a arrangé son sac. Il avait toujours sa valise déjà prête. Combien de fois il est parti? 32 fois. Hein? Il est parti de la maison combien de fois? Un père de famille. 32 fois. Avec le froid qu'il y a à Lille, il est sorti de la maison 32 fois pour partir. Il est toujours revenu. Il fait le chantage à une famille parce que la fille reste avec lui parce qu'il avait reconnu l'enfant, la fille, l'autre à Boza, où c'est Turquie. Maintenant, elle était enceinte, il a reconnu. Donc maintenant, Langa reste seulement avec lui par rapport au Mouna de sa soeur. Maintenant, le Kaolo ne sort pas depuis. Il ne veut pas dire pourquoi. Il traumatise toute une famille. On le chasse, il ne veut pas partir. Ici, là, il a appelé la police plusieurs fois comment il est maltraité. Un colosse gars du village. Le voilà. Un colosse gars du village que qu'on veut le mettre sur Facebook. Tous les gens qui boivent le bouillon avec lui partout là. Et il a les victimes en Belgique. Il a les victimes en Allemagne. Il a les victimes. Ça pense que Kaolo. C'est comme ça qu'il est. Il angoisse seulement avec ça. Voilà sa vie. D'un homme responsable comme ça, du village. Il trompe que ses soeurs. Hein? Dans tout ça, il fait ça qu'à ses soeurs. Reconnu 54 enfants, bien comptés par la préfecture. Voilà. Dis-nous alors, tes Kaolo, c'est le vrai. Il ne dit rien. Pourquoi le Kaolo ne sort pas? Il n'y a pas de suite. Pourquoi? Donc, la famille là même va venir raconter. Je ne connais pas moi raconter l'histoire des gens. Si c'est quelque chose qui me concerne, raconte bien. Mais quand c'est là pour les autres, là, mieux chacun vient raconter son histoire. Mais Madame Tama, n'importe quoi. Je vais vous présenter un homme dans ma vie. Ne vous dérangez pas. Ça va venir, c'est Dieu qui donne. Vous souhaite bonne nuit. Je vais boire mon whisky, pas me coucher dans mes beaux draps propres. Je dors dans ma chambre tranquille, je mets mon film, je prends mon nid d'amour, je ne raconte pas la suite, après je dors.
Comment? Ouais, ça. Non, je dors pas. Tu vas bien? Tu vas appeler vidéo? Ah, tu appelles vidéo, d'accord. Attends, je vais couper le direct. Tu appelles vidéo. Ok? D'accord. Que je manque les gars. Mais franchement, vous, c'est parce que moi, je manque les gars, maman. Je manque les gars. Quand tu me vois sur une femme qui peut manquer un gars. Hein? Non, parlons. Je suis un gars qui peut manquer un gars. Même si un gars vient, il ne dort pas. J'ai deux grands canapés là. Même si c'est pour appuyer le canapé, il ne se couche pas même dans un des canapés là, il dort. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Je coupe même. Au revoir, bonne nuit. Bisous, non.